Venesse. Ça veut dire que la police nationale d'Haïti, l'armée d'Haïti et mission, hein, messieurs, dames, yo gen lè ou pas campé, yo pas chômé dans quatre opérations que y a mené pour dénicher bandits, criminels, assassins dans niveau Padelma, La Saline avec Bel Air. Désir Venesse et c'est même réalité, hein, dans la commune Grécier, côté que force de l'audio, UTAC, UDMO, SWATIM, yo mobilisé dans Grécier et que plusieurs résumés bandits qui déjà fait vrai pour payer sans chapeau et yo mobilisé. Yo déterminé pour capable déraciner bandits armés. Mais pas oublier désir, et ça m'était en nous, c'est que jusqu'à présent, la population dit yo poko sorti un cap fait, tout autant que yo pawe, ou Matisse en débloqué, tout autant que yo pawe, ou Kana en débloqué. Tout autant que vous parlez, en bas, mon cap est débloqué. Ça veut dire pour vous-même. Mais jusqu'à présent, là, c'est comme si c'était un petit peu mais qui peut rentrer dans sa nille, normalité, selon ça qui dit bon côté, ensemble de citoyens. PM Garikoni qui était payant, là, il participait dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, côté que le prend la parole dans nos Haïti. Il pourrait parler de ensemble de actions gouvernement n'a posé bon côté conseil présidentiel yo et qui ça PM qu'on y dit puisque nous songer vendredi an, PM n'a présenté bilan 100 premiers jours comme chef gouvernement et il fait connait que il était 16 mois et dans 16 mois ça mais chemin après long en pile mais c'est pral un marathon entre haïtien avec l'état autorité yo pour regarder comment que yo capable river établir sécurité river organiser élection puisque PM que l'État a besoin de 120 millions de dollars pour capable organiser l'élection dans le pays. Alors que l'État seulement mettait disponible 700 millions de gouttes. C'est bien, 120 millions de dollars que l'État a besoin pour organiser l'élection générale en un pays. Mais l'État seulement mettait 700 millions de gouttes qui va représenter en rien par rapport avec San Gababdi et ensemble de, pour mettre machine électorale en branle. Parce que pas oublier, avec 9 conseils qui vont monter là, bien que c'est 7 qui déjà pral sorti, parce que il y a 2 secteurs qui ont critiqué, droits humains et puis secteur féminin. Mais nous comprenons bien, mettez machines électorales en branle, ça m'a demandé un paquet de travail en termes de dépenses, en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles, en termes de stratégie, parce que mon pays, depuis 2016, pas une élection qui est organisée en d'un pays ça. Depuis 2016, 8 l'année, pas jamais une élection qui est organisée dans le pays d'Haïti. Alors ce que nous connaissons très bien, objectif ou dis-moi ce que mission au gouvernement de transition, c'est organiser l'élection, c'est établir sécurité, organiser l'élection pour qu'il y ait un pouvoir légitime qui prend tête pays. Hein. Est-ce que monsieur Dame Kilayo, à travers KPT, à travers le gouvernement Koni, yo pral vraiment arriver établir sécurité et permettre que l'élection organisée? En tout cas, n'a suivre des Ivenes pendant que je n'étais pas de dire, mais plusieurs maintenant opposition plurielle, Jean-Pierre Joseph, Caleb Jean-Baptiste, n'est que je prends la rue pour exiger démission ni KEP, ni KPT et ni gouvernement qu'on a dirigé à des Ivenes. La situation, on a président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils qui était fait accompagner à Cli, Georges-Jean-Fils Brignol a visité Ville Miragouane vendredi 20 septembre 2024. Objectif visite là, c'est pour Algade, Founige Gade et dans quelles conditions l'hôpital Saint-Thérèse dans Miragouane a fonctionné dans l'occasion de profiter de rencontrer avec famille victime et drame, explosion, camion citerne qui t'a transporté Gaza et de tout profiter l'occasion où t'es déposé yon jet flair dans l'espace côté drame nan t'es causé à. Aucun service en l'État n'est pas disponible dans commune Cabaret depuis plus de 6 mois à cause de gang yo qui pratiquement occupe zone ça et qui a fait kidnapping, viol, toute qualité pendant la police en mode d'opération dans la capitale PIA, cependant ensemble zone ça yo pratiquement abandonné. Employé yo qui dans compagnie scolaire, dans dignité, dans département nord-est PIA, levez-vous pour dénoncer et même demander ILCC pour prendre responsabilité dans la ville mener enquête parce que yo fait quoi yo gain et en plusieurs mois depuis yo pas touché et yo raconter tout gain gros corruption qui a fait dans espace ça. Expert indépendant droit moun William O'Neill dans cadre yon vie remont qu'il a fait en dans pays d'Haïti et bien pour au commissariat dans Nations Unies et bien dans affaires droit moun li chita parler avec diverses organisations droit moun en dans pays pendant week-end dans grandance yo initiative qui était chita dans tête fret avec trafic qui est pour avec question droit moun en dedans pays parce que depuis un bon bout de temps là nous tendait gain des messages qui circuler qui fait quoi gain trafic organe et des moun qui a disparu des moun qui a déplacé yo pa konn qui côté au fait dans ça qui concerne bataille dans conseil présidentiel transition Blaise Personne bagala marqué sang li marqué
en pile difficulté et problème annoncé en dedans pays a. Là attendait divers militants qui étaient dans combat pour te voyer Ariel Henry aller qui permettent jusqu'à présent conseil présidentiel là arrivé là qui permettent que Gary Conille a dirigé n'aiguement des places par la situation. Yo dit si yo pas une place par yo, c'est soit Chaudière à Chavirenet. Et sa cause dans journée qui était marqué 266e année de naissance en presse de Jacques Dessalines, papa nation, eh bien opposition plurielle là te foulé béton. Malheureusement, yo t'a pas faire face avec coup de gaz lacrymogène parce que la police te dispersé foule là. Ça te permet que militants, manifestants, te fin mandat rage, les personnes, yo t'allé devant ambassade du Canada dans 75 ans côté yo t'a prévu voir pour demander le Canada, la France, les États-Unis qui complices ça qui a passé en dedans pays a pour au moins retirer pied yo dans gorge peuple haïtien parce que fait quoi que situation paraît très difficile pour yo pas capable encore. Dans cette façon, premier ministre Dr. Gary Conille parti quitter pays a 20 septembre 2024 là pour lui à participer dans l'Assemblée générale Nations Unies qui a déroulé sorti 20 pour arriver 28 septembre. C'est ministre Kathleen Florestal qui c'est ministre finance et économie qui remplace comme premier ministre et ministre François et Suzanne qui remplace comme ministre intérieur à collectivité territoriale. L'en connaît premier ministre Dr. Gary Conille, qui a des portefeuilles comme premier ministre et ministre intérieur à collectivité territoriale. Situation paraît très difficile et même compliquée en dedans pays. Malgré tant de visites qui annonçaient pour côté William Mouto pour rentrer dans le pays d'Haïti, mais toujours il y a des gros questions qui a posé de la situation sous responsabilité, support. Que Kenya ou Finbay avec la police, qui est la efficace, est-ce que Mounio peut jouer une autorisation ou évacuer avec activité dans divers grands axes en dedans pays qui paraît extrêmement difficile pour les personnes? Didier Benel, monsieur prend position sous question l'agent service d'intelligence qui gagne en dedans pays. Selon Didier Benel, c'est chaque mois équipe qui sous pouvoir a braqué l'État. Comme intelligence qui évalue avec 454 millions de gourdes qui risaient disparaître jusqu'à présent, personne ne par contre qui ça, l'agence a réglé pendant la police pratiquement trouvée dans une situation très difficile pour question sécurité en dedans pays et la mer tout trouvé dans une situation très 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 difficile. Crise qui gagne en dedans pays, surtout crise sécurité à la même personne qui a traversé, qui a ravagé pays d'Haïti, lui affecté sérieusement système financier national là. Ces déclarations, Gabriel Ronald qui se gouvernait Banque centrale blesse personne. Il parlait de 59 branches dans banque commerciale yo qui pratiquement fermé, en pile là yo vandalisé, en pile là yo et vin la cause, gen l'argent qui yo gagné d'ailleurs, que yo pas ka même rentrer. Il parlait de un chiffre de 122 milliards de gouttes comme prêt que ensemble banque ça au tibay blesse personne qui pas ka rentrer, qui permet que système financier a un gros frappe et frappé. Secrétaire d'État américain. Nous voulons parler blesse personne de Antonio Guterres. Antonio Guterres, non, secrétaire d'État des Nations Unies. Secrétaire d'État des Nations Unies. Secrétaire d'État des Nations Unies. Antonio Guterres prend position sous disposition qu'a pris pour mettre campé Conseil électoral provisoire. Il bat bravo pour eux pendant le mandat pour au moins y aurait été temps. Monsieur dame qui n'a et droit pour nous qui pratiquement gagne gourmet entre eux. Il mandé pour y aurait été temps. Mesdames y tout à travers organisation qui pratiquement n'a pas gourmet et entre eux pour choisir qui est-ce qui va les présenter. La situation des États-Unis toujours abdi à travers ambassadeur, à travers représentant dans le pays d'Haïti. Il a supporté le peuple haïtien pour gagner stabilité, pour résoudre le problème humanitaire, pour gagner sécurité en dedans pays. Cependant, le département d'État américain qui fait mise à jour et la semaine qui se passe à la blessure personne, sous ça qui est pour avec le conseil voyage, il a fait quoi que l'augmentation de violence, il y a augmenté dans le pays d'Haïti, il a toujours gagné Haïti dans la catégorie 4. Non maximum pour moun pa voyager en dedans pays a et aussi gen pou menace pour kidnapping fait dans aéroport international tout ça nous vertu qui pas en sécurité pour ça yo mandé diplomate haïtien yo les a déplacé pour déplacer dans convoi officiel qui capable épanier en pile moun a dit conseil présidentiel transition a pas bien fonctionné depuis les scandales corruption nan et BNCA par rapport avec dénonciation que Raoul Pierre-Louis ancien président conseil d'administration a fait pour trois conseillers présidentiels, eh bien, les petits Chinois, les représentants de la Valasse, les Leslie Voltaire, ils disent pas ça du tout. Tout bagaille a marché. Tout bagaille a fonctionné normal. Elle dit, pas une personne qui a écarté trois conseillers SAIO. Il y a pris tant de rapports ILCCA. Elle dit, son peuple qui prend un complot, son peuple qui trouvait dans situation qui est très difficile, n'a pas goûté en pile pour nous sortir dans sa nuée. Si on fois nous pas décider, si on fois nous pas coller tête, si on fois nous pas faire l'union, nous avons une révolte totale pour nous délivrer le pays à des personnes. Ensemble, nous savons qu'il n'y a pas de volonté pour retirer le pays d'Haïti dans ce qui est extrêmement difficile depuis un bon bout de temps.
Blessation, docteur Gariconi, qui pratiquement parlait avec la presse, avec le ministre, pour montrer ensemble de travail que vous avez fait, eh bien, il fait quoi que vous prenez toute disposition dans ce cabinet là, pour utiliser ensemble les ressources que le pays a gagné pour capable augmenter sous capacité et la police, l'armée, et permettre aux gens qui étaient partis pour quitter la caillou, pour rentrer la caillou. Il parlait de 600 000 familles et il dit que l'État doit joindre une solution selon lui-même pour permettre que Mounsao retourne la caille. En plus de ça, chef Frimatia, docteur Gariconi, il fait quoi qu'il puisse mobiliser plus de ressources dans le trésor public là pour capable résoudre la crise humanitaire qui gagne en dedans pays et puis pour avancer avec chantier social. Santé sociale, c'est à l'apporter 20 000 gouttes, c'est à l'apporter 50 000 gouttes, c'est à aider quelque part à joindre quelques vieux livres pour voir Timoun l'école, mais pour qu'on y ait la question sécurité, il a toujours été un problème dans quatre pays parce que ensemble, diaspora, ensemble, monde qui vit dans le pays, il y a un plus gros problème de la situation, c'est la question insécurité qui vous cherchez à résoudre la situation avec les amis internautes qui vous cherchent tout partout parce que la situation paraît pervertie, la situation paraît très difficile pour le monde qui vit dans le pays d'Haïti. Par la pas on dit toute la situation, tout le monde est pratiquement trouvé dans la situation côté y a caché dans le propre pays, il y a un étranger, la situation avec les amis internautes qui vivent dans tout partout. Desi Venesse, bon, c'est que ensemble de points ça qu'on va analyser, on va regarder là. C'est vraiment important pour nous garder mon frère. Mais j'en dis hein, gagner selon ça qu'on apprend, présence président pays Kenya William Ruto en Haïti pendant quelques heures jeudi samedi hein. Et mais avant même nous venir sur ça, on regarder jeudi en Desi Venesse. Ensemble de coquins mesdames cap régler bon côté de politiciens haïtiens. Et je dis, hein, pas oublier que ça que le pays connaît là, ça que le pays vit là, insécurité physique, insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, et toute forme d'insécurité que le pays connaît là, je dis, hein, ensemble de responsables situation ça, qui est sur lui? Je sais d'abord, classe politique haïtienne traditionnelle qui l'a. Lycée en même temps tout. Moun noue les oligates corrompus, secteur privé affaires haïtiens. Lycée société civile, lycée droits humains. Lycée en pile moun qui la diaspora malhonnête qui ouye. Lycée la communauté occidentale, ou dit mais les impérialistes, qui mette Haïti dans sa lié là. Et je dis à désir. Ça me que moun yo comprenn. Ça me que vle moun yo gade. Toute bataille ou est k'a fait là. Pour question nek ki vle jè pouvoir yo. Nek ki vle préparer élection ba on a façon vle préparer là. Mais ça me que peuple haïtien comprenn. Jodi an. Est-ce que nous ouais que nous sou route pour nous ajouter un changement dans ce que le pays d'Haïti a connu là? Est-ce que nous avons une soute pour que ensemble problème que nous avons enduré là? Insécurité, handicap touye, handicap violé, handicap fait tout ça que nous avons comme exaction sous nous. Est-ce que nous avons une soute pour nous ajouter une solution avec série problème ça? Moi-même, je dis non, parce que l'aime garder réalité hein, l'aime garder situation, m'kawe jusqu'à présent, ou qu'on est que l'organ rat qui sale, ou la ville, ou ap et batrouel, mon cher Mbaba nous menti, batrouel qui a bay rat sale, Haïti, Haïti sale là, j'ai Haïti ap konne de situation difficile là, moi-même qui a dit que, et beaucoup de rat sak pral lave pour rincer et pour vin propre. Beaucoup de rats qui prennent laver, prennent rincer pour le vin propre. Rat Haïti par rapport avec comme si, ensemble problème, ensemble de situation, ensemble misère, ensemble calamité que Haïti a connu là. Haïti qui en Haïti. Et même Haïti qui dans la diaspora. Parce que je dis à ma petite qui clair. Réalité où est Haïti qui vit aux États-Unis à travers un ensemble de propos discriminatoires que actuel candidat et ancien président Donald Trump a fait de yon. Et calamité, misère, m'a chiffé. Haïtien qui a vu Saint-Domingue a passé là. Parce que, baba nous menti,
et focus à mettre dernier temps sur les États-Unis. Mais nous pas essayer qu'on est tout qui va la misère. Haïtien que c'est de venir passer dans moment. Moi même témoignage venu moi puis lui là. Haïtien qui a sorti, regardez, immigration prend à forti géo en bas, la géo en bas. Haïtien quoi immigration qui a volé la géo en bas et qui tombe qui mouri. Si tu ça on va parler non. Ça on va attendre l'état dit non. On va attendre ministre affaires étrangères haïtien qui c'est Dominique Tchouidian et sous ça non. Alors que vidéo vira sur les réseaux, tout le monde a vidéo, tout le monde a situation, tout le monde a. Donc je dis, m'a dit que c'est vrai, nous avons un focus qui a mis, nous avons un réglé, mais est-ce que nous sommes capables de avec des dirigeants qui sont bluff? Est-ce que nous sommes capables de avec des dirigeants? Au lieu que yo agit plus, yo parle plus. Au lieu que yo agit plus, oui, c'est pas yo parle plus. Alors que peuple c'est résultat que le besoin. Peuple c'est besoin vraiment que question sécurité à résoudre. Et l'aime dit question sécurité à résoudre, c'est résoudre dans tout niveau, dans toute dimension. Insécurité physique, insécurité alimentaire, tout ça yo résoudre. Mais je dis, les que la garde ça gèle comme réalité, nous dit, baba nous menti, li loin. PM Gaye Koni dit que, dans 16 mois que l'il était comme chef gouvernement, et pas non coup 100 mètres que l'il pourrait aller, mais c'est un coup de marathon. Quand il a demandé chaque grand haïtien, dans quelques quoi secteur courrier, c'est poté collé pour aider Haïti sortir dans sa lie là. Jusque là m'a dit mais oui peuple haïtien gè volonté hein. Jusque là m'a dit oui peuple haïtien vle ça oui parce que yo bouquet tout yo même yo bouquet avec insécurité hein. Yo bouquet avec violence là yo bouquet avec toute forme de situation qu'on est là parce que qui est-ce qui c'est principal victime c'est eux même c'est eux même qui c'est principal victime yo c'est eux même que bandi violé c'est eux même que bandi boule caillou. Si on même dit fait tout ça, on connaît deux mal sous yo. A dit, monsieur est certain que yo bouquet, yo about, yo besoin solution, yo besoin vivre yo même. Mais je dis, et que mon cap dit, mais oui, la police a souk école, la police a fait tige fort, mais kounya, ça ne besoin vraiment. Nous besoin de action concrète, de action, ok? D'action concrète, d'action sérieuse, qui pour permettre que, ensemble, pour gérer la situation qui est là. Je n'ai pas oublié que, je suis dans l'émission matin, bateau haïtien, l'a effondré. C'est tout haïtien qui a effondré dans le bateau haïtien. Et ça fait une question, résoudre l'insécurité. C'est tout haïtien qui vous mettez ensemble pour aider dans résoudre ça gala comme situation des Yévenes. Mais nous trouvons une situation très précaire. Une situation qui marque en pile difficulté. Qui besoin de conviction, qui besoin de conscience, qui besoin de participation population. Participation population qui permet que nous sortions dans sa c'est la population qui est conscient pour dire ensemble autorité qui pratiquement au timon des affaires, qui n'a pouvoir. Et pour comprendre qu'il n'est pas possible pour y gérer un pays comme ça. Parce que non, ce qui a géré le pays, l'hypothèse désespoir total qui a permis que tout le monde envie de quitter le pays. Ou un peuple qui vit à l'état dépressif. Un peuple qui gagne une dépression. Une dépression réelle qui a vécu dans le pays, qui a vécu dans le pays. Ça qui a vécu dans le pays, investisseurs qui sont dans la diaspora, qui sont haïtiens, qui ont créé. OK, opportunité pour le vivre. Créer opportunité pour permettre jeune garçon avec jeune femme, jeune opportunité pour capable travail malheureusement. Dans laps de temps, on comprend que l'état les marginalisés, les opprimés mal orientés parce que c'est des jeunes garçons qui étaient capables de servir, je dis en capable de technicien en mécanique, qui étaient capables de technicien en agriculture, qui étaient capables d'aider malheureusement.
C'est pas option ça que vous avez choisi vous-même. Vous quittez l'État, vous quittez des gens qui sont dans le secteur privé des affaires, servis avec vous, mettez des armes. Qui blaye une insécurité généralisée qui a un impact sur tout le pays? Qui ça nous a fait pour nous sortir dans une insécurité généralisée qui a un impact sur tout le secteur dans la vie nation? Il mérite que nous essayons de regarder. Les qui ont des amis, ils ont replié sur eux-mêmes. Ils ont tombé à faire des réflexions. Parce qu'en pile dans les problèmes de ces personnes, ils ont des difficultés pour avoir 500 gouttes par jour pour manger. Mais quand il y a des multimillionnaires, et les qui ont boss qui ont mis dans la gang, qui ont mis dans la situation qui est là, ils ont créé leur propre cartel par eux. OK, yo vin indépendant, yo vin sous contrôle tête yo. Les ça quantité violence vin a augmenter parce que pas une personne qui cap causer parler avec moun sa yo. Depuis plusieurs semaines, la police, la MEDAITI et mission multinationale qui est dans pays a dit yo inscrit dans une bataille d'offensive à l'encontre des gangs qui en dans pays a. Yo pas entendu yo pour y jouer à la défensive encore. Yo aller à l'attaque. Aller à l'attaque, c'est rentrer directement dans le quartier populaire, côté qui gagne gang yo. Tant que dans la Cité Soleil, dans Belé, dans Matissan, dans Badelma, même que vous pas attendez pour opération, mais semaine passée, vous t'attendez, et c'est je pas dans la journée hier. Vous avez dit que vous avez un pile cartouche qui t'a tiré dans le périmètre Matissan. Et vous avez dit que c'était force de l'ordre qui t'a frappé. Dans le portail, les organes, c'était force de l'ordre qui t'a frappé. Je tiens à croire que la situation paraît très compliquée. Pour les gens qui sont dans la zone là, et au même, si nous avons des machines qui a fait tête, qui parle de qui a la victime en bas. Je dis à cette personne, moi-même, moi dis ça. Communauté internationale là, il n'y a pas pour la sécurité dans le pays d'Haïti. Tout ça qui a été fait là, il y a inscrit dans la période électorale là, qui a permis que l'élection arrive à faire dans le pays là, et pour la communauté internationale là, installer les gens pas, qui ont besoin de qui. Parce que toutefois, l'élection est faite, ce n'est pas. Ça qui est exprimé à travers le suffrage universel, à travers leurs unes, ce n'est pas ça qui est toujours primé. On regarde les dernières élections qui sont faites dans le pays, ou après c'était Brigandaï. Sous Michel Joseph Martelly, Brigandaï. Jovenel Moïse, ou à combien de fois que l'élection est faite, il est faite, il est gâté, ou à quelle position que négocié. Ça a vu montrer à clair que la communauté internationale, là, je dis, qui montre qu'il y a marché, monté, descendre pour venir résoudre le problème d'insécurité, il n'y a pas la vraie. Qui ça, qui voit que les États-Unis jouent? Notre combat qui pour mener à résoudre le problème de sécurité qui vient dans le pays. Nous avons dit, les joueurs Wall, les joueurs partis Benot. Parce que, plus gros l'argent qui décaissé, qui déversé dans cette mission qui est ce qui va aller, c'est les États-Unis d'Amérique. Notre mise à jour que les États-Unis fait, département d'État, États-Unis, OK, sous question conseil voyage, que vous gagnez. Après quatre années consécutives, vous avez Haïti à l'état maximum, à level 4. Non, et zone qui déclarée zone de terrorisme ou bien zone rouge côté monde et pas doué à voyager. À quelques heures des États-Unis d'Amérique. Ou bien à une heure et quelques poussières minutes à États-Unis d'Amérique. Est-ce que ça a pas dit qu'il y a une menace qui a avancé Virginio par rapport avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti? Pour qu'il y ait plus de velléité, nous chercher, résoudre, nous faire des propositions, nous avancer avec des requêtes, des résolutions totales pour le problème de sécurité. Je veux dire, achita sous table, réfléchir, ouais, qui j'ai occupation capable de planifier, c'est pas là que Haïtien est. Parce que yo testé capacité à volonté, que grand policier à bravo que yo gagne dans le pays en personne. Parce que si là, on cap rentré dans Badelma dans Fief Barbecue, si là, on cap rentré et normalement dans Fief Kempes, c'est parce que yo gagne volonté au cap bataille, yo besoin de moyens adéquats, efficaces, qui permettent que combat arrive fait. Mais si nous tendons dans le bilan sans jour, gouvernement, docteur Garekonian, n'a pu comprendre que la police n'a pas de problème moyen pour mettre des pieds à terre là. Parce que dit dans la dernière semaine, yo bail la police, yo équipe la police avec armes, yo équipe la police avec moyens de défense individuelle, yo équipe même dans tout la médaille. Si yo pouvez être efficace pour avoir un résultat, il t'a de permettre moi-même avec vous de questionner qui côté volonté a. Parce que planification d'opération policière, l'ichita entre CSPN, qui est comme chef et Docteur Garekoni, comme le premier ministre. Toute l'autre zone qui pratiquement une absence policière, qui pratiquement une absence intervention policière, lui dépend de la direction générale de la police et la primature, comme chef CSPN. Je dis à Mounio qui dans la Tibonite, qui montrait qu'il n'est pas capable encore, lui respectivement une responsabilité CSPN avec le commandement de la police. Parce que ensemble dispatching matériel, outils qui a fait là, il pas vraiment au service population. Tout ça qui a fait les personnes, c'est caca des boîtes, pas rien qu'elle porter. C'est miam miam caca chat qui a fait.
Parce que les grands axes routiers de la République toujours été sous profond contrôle bandit qui toujours a kidnappé, toujours a détourné camion marchandises. Ça a qui suscité en pile Pérez. Ça a qui suscité et envie de suicide de côté population. Parce que nous nous trouvons dans une situation. Yo fermé la caille, yo séquestré dans propre maison yo. Ça a pas de problème avec personne. Je dis, hein, autorité qui dans l'État a arrangé, dit a pris un dispositif pour partager peine avec moun ki nan Ouyagouane qui mourit dans l'explosion. Mais, il y a plusieurs acteurs qui déclaraient, si yon te prend disposition pour te permettre que grand axe te débarcade de la situation, ça a privé dans le pata privé. Et je dis, bon mariage de complicité. Est-ce qu'on connaît ensemble des bateaux qui pratiquement a sorti avec camion marchandises dans Port-au-Prince pour entrer dans le département de la Tibonite ou bien pour aller dans le grand sud pays? Chaque camion paye 1500 dollars américains. Ou à imaginer, s'il peut 25, 40 camions, marchandises, imaginez le premier cob que bateau ça fait. Est-ce que si là, on est dans le secteur privé, il y a intérêt de permettre que grand axe soit tiré au débarricade? Parce que même dans ce sens, il y a fait comme l'autre gens, parce que c'est l'autre forme gang. Bateau qui transporte camion marchandises, a fait gros l'argent avec 1500 dollars américains chaque camion pour transporter. Et bandit, dans le bout de paille, a terrorisé, a taxé dans le post-péage chaque monde qui a traversé. Et en plus fois qu'on a dénoncé des blindés de la police qui dans des espaces, c'est l'argent que nous sommes obligés de payer pour traverser. Il y a une insécurité qui vient institutionnaliser tout secteur presque impliqué là-dedans. Qui est-ce qui est victime de lui? C'est la population, c'est le peuple qui est victime. Qui est-ce qui a résolu le problème? C'est le peuple parce que c'est le peuple qui connaît des situations très difficiles. Tant que Jean-Bertrand Aristide et Tédil, est-ce que le canal Wana mettra pas de bloqué? Oui, il est débloqué. Qui est-ce qui est débloqué? C'est le peuple. Est-ce que le canal sécurité peuple pas bloqué? Qui est-ce qui doit débloquer? Sans doute, c'est le peuple qui doit débloquer le canal sécurité, parce que c'est lui-même qui plonge dans l'insécurité. C'est lui-même qui a victime. Bien que, ou après, ancien ministre de justice, ancien commissaire du gouvernement, Progrès, Likman Delil, lui montre que le problème insécurité n'est pas daté d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a insécurité là. Parce que le sorti directement depuis la dispersion, depuis la crasé, l'armée d'Haïti. Il vient porter ça à nous. Et je dis, l'armée a essayé donc de restituer, il est embryonnaire et il a fait des avancées. Et malheureusement, que ouais, ensemble, pays qui était déconcert avec l'autorité haïtienne qui était classé l'armée, il n'a pas voulu avancer avec force, il a plus envie d'une portée, il a occupation. Parce que si vous regardez Anthony Blinken qui est devenu secrétaire d'État américain, Anthony Blinken vient là, il dit que l'important, il a avancé, il a critiqué ensemble pays qui fait partie des Nations Unies. Qui va collecter ensemble des fonds qui ont de bail, qui va permettre que la mission soit efficace, à bail résultat, que tout le monde a pris dans le pays. Elle t'a tout proposé que vous prenez le travail pour regarder est-ce que vous pouvez transformer la mission ça en une mission maintien de la paix onisienne. Et nous songeons ensemble de souvenirs combien d'interventions que l'ONU fait en dans le pays déjà. Qui ça a au bail comme résultat? C'est déficit total pour la République. Vini là, dans ce sol, nous, vini pour aller ensemble des biens que nous avons, ensemble des richesses que nous avons. Songez. Les a crasé la médaïti 93, 94, 95. Qui intervention qui a été fait à travers la mer, à travers terre, en l'air, ils ont envahi le pays d'Haïti. Qui direction qui a été pris? Ils ont pris la direction banque centrale. Ils ont pris la direction banque centrale qui sont allés chercher l'argent, qui ont été gagné en réserve, qui ont cherché l'or, qui ont été gagné en réserve. Est-ce que ce n'est pas même ça qui a planifié? Et dernier qui s'est passé, on nous dit ministre, les vins là, les quittés en choléra, les quittés un paquet de jeunes petits garçons et qui ont violé. L'équité au paquet de Timoun, qui est enceinte des jeunes filles, qui pratiquement dans la précarité, dans la misère, la situation, ils ont quitté le pays. Et je veux dire, mission, ça qui là, ils ont commettre beaucoup plus de dégâts que ça, le ministère a fait déjà. Ils ne doivent pas coller là. Mais quand c'est des jeunes femmes qui ont gagné pour gagner une relation, par rapport avec la précarité grand groupe qui est là, alors attendez, un officier qui a touché 1200 à 1500 dollars américains par mois, eh bien, ça l'a fait qui soit. L'a fait qui soit. Ils ont causé gros dégâts. Et autorité ont besoin de prendre disposition pour veiller sur tout ça qui a passé là. Et on parle vraiment où est responsabilité. Si vous regardez dans Genève, où est-ce des représentants de l'Occident qui a posé des pions, qui a réagi dans l'intérêt de l'Occident. L'Occident est où il a chita, où il a parlé avec l'Occident, a dialogué avec l'Occident, pendant qu'il a ignoré les bagailles qui ont valeur pour eux. Est-ce que je dis, est-ce que les États-Unis, s'il a fêté naissance, père fondateur, États-Unis d'Amérique, les présidents, premier ministre, il a déplacé pour quitter l'espace là pour valer que vous connaissez, que Papa Nation pas eu à gagner pour vous. Malheureusement, qui nous est, blessé personne, et si là, qui est dans le pays, il n'y a pas de pièce importance, il n'y a pas de pièce valeur, avec si là, qui te vous mettez permettre que vous gagnez indépendance, eh bien, il n'y a pas de problème pour vous lever pour vous déplacer pour y aller régler affaires personnelles. Ok?
Ce n'est pas affaire pays qui a pris, c'est affaire personnelle. Les situations sont chaque jour plus difficile en dedans pays. Et ils ont toujours utilisé la police comme des communistes pour régler les affaires pas, non pas affaire peuple. Parce que chaque fois, peuple veut mobiliser pour dire non, avec ça qui a passé, ça qui a fait le bal. Et les situations sont toujours que griffe la police, ils sont toujours sortis. Nous devons prendre la responsabilité. Ce soit nous chavirons Chaudière, nous tous, nous étions dans le grand groupe, ou bien nous quittons Chaudière à son différent, nous faisons bouquin ensemble pour manger à quick pour nous tous, nous quatre manger, parce que Chaudière, grand groupe. Manger pas qu'à l'X. Non pays, dès que vous mangez l'X dans le pays de la situation, et bien ça, vous avez là, comme phénomène, banditisme, insécurité, dès que vous chômage, les priorités pour l'État, par de l'autre côté que vous allez, que côté nous est là, dans une situation difficile, quand vous faites face à la situation. Désir Venesse, on va regarder là, par rapport avec déclaration ça, qui était fait bon côté, Lesti Voltaire, parce que le temps important, nous avons fait Lesti Voltaire, c'est vraiment important, pour nous attendre Lesti Voltaire qui parle sur question ça. Et. Nous allons regarder ça, pour nous voir est-ce que nous allons gagner Lesti Voltaire pour nous capable de parler avec lui. Et nous allons regarder alors avec lui. Et nous allons regarder avec Lesti Voltaire pour nous voir que est-ce que nous vraiment pour faire mon temps de Lesti Voltaire et par rapport avec ça qui gagne dans la question ça. Nous allons venir avec Lesti Voltaire qui vient de dire qui t'a dit que. Et l'Ipral, à par rapport avec la question qui est pour avec l'ITBA interview avec un confrère concernant dans Magique 9. Ok? Dans Magique 9, nous allons regarder ça. Par rapport avec ça, le dit de site. Parce que pas oublier Lesti Voltaire. Monsieur, c'est lycée ou un conseil responsable de chantier sécurité. D'accord ça? Mm-hmm. Dit Lesti Voltaire, c'est un lycée ou non? Lycée ou non? Et responsable de chantier sécurité. Mais en passant désir, bon moi venir avec ça comme information puisque me songe que me débat ça, nous débat ça déjà que Goto Osa que yo arrêté monsieur qui est là sur les Johnson et Johnson au centre de Johnson, OK, Johnson Antoine. Antoine. Yeah, yo arrêté monsieur sous Delma et Andy Gérald Bataille. Et monsieur t'a fait partie au groupe gang, alors monsieur t'a fait partie groupe gang 400 Maozo, OK? Elle dit la police qui a information sur Toto Osa, yo rivé poser la patte sous lui. Mais yo mais arrêté monsieur et pour qu'on y a monsieur dans mes autorités et DCPJO et yo présenté Johnson Antoine Jandian comme membre groupe gang 400 Maozo Désir Venesse qui me devait partager ça avec les internautes nous yo. Mais en même temps tout Désir à côté de Johnson Antoine n'a dit que commissaire Muscadet monsieur fait gros coup oublier monsieur frappé très fort côté Muscadet c'est pas décidé camper hier monsieur frappe un certain de Morales ça semble son mauvais affaire, mauvais jeu, mauvais grain, qui t'a pas problème. Mais Muscadin, Rivé, Mété, Dominant, j'ai tout ça. Vendredi, qui était 20 septembre 2024, l'an, Désir Venesse, j'en dis, hein. Morales, c'est non présumé terroriste, Axa Patsa, selon ça, peut le monde comprendre. Et qui joue un congé, qui parle encore. Et congé permanent, bien bonnet, journée qui était vendredi 20 septembre 2024, l'an. En bas, le commissaire gouvernement Miragouana, Ernest Muscadin, dans zone Bekin, département Nipé d'Haïti. Selon le commissaire gouvernement Miragouana, individu ça, t'es pris en plaisir, marché fouillé, machine cap passé sur route nationale, l'an. Fouillé moun. Morales te kon rentre kaimoun, vole sa ou genyen, même bête paysan yo pat épanier en bamel. Pi loin, commissaire gouvernement qui te gen antenne sous présumé braquer ça. Depuis un bon bout de temps, eh bien, matin, qui c'était vendredi 20 septembre, non, li fait un mauvais croisement à ka commissaire, li tombe et le pas levé selon ça qui nous apprend des yeux. Pas oublier tout des gens disant, en pile gros réunion a fait là pour garder comment que yo capable transformer mission multinationale ça en mission onusienne des Ivenes, qui n'a gardé et n'a attendu Lesti Voltaire. Plaisir pour nous recevoir sur nous gain forme et nous voir ça parce que depuis avant hier nous on soutenait là avec plusieurs rencontres et on fait mais et pour conseil présidentiel là et comment lié et ben conseil là lié très bien et il y a un problème qui s'est passé avec trois conseillers et il y a le USCC et puis nous même n'a pas une décision de justice pour ben conseil a fonctionné correctement et d'ailleurs hier là le conseil des ministres là et yo tout était là et by point de vue etc. Donc moi que n'a fonctionné très bien en attendant une décision de justice là. Je parlais à monsieur Voltaire comme d'adjo scandale corruption qui éclaboussé conseil présidentiel là parce que pas trois bambou seul c'est conseil là et pour cause et le fait que toi et grand pile décision pas capable pas capable je parlais à la comme d'adjo ça pas aucune conséquence non prend toute décision là.
Bah ouais, décision nous pas prendre, nous prenons décision nommer directeur général, nous prenons décision former CEP, nous prenons décision former conseil de justice, de vérité, justice et réparation. Nous prenons toute décision, bah ouais, décision nous pas prendre. Bon, décision nous pas prendre, oui. Bon, décision pas dire là, parce que nous te gagne pour nous une résolution, nous te gagne pour nous une résolution qui demande faut te gagne vote sous lui ou bien consensus, pas de gagne ni vote. Pas de gagner consensus et vote là, il n'est pas favorable parce que c'est 3 sous 7 là, il n'est pas capable de marcher dans la logique et majorité 5 sous 7 là. Donc, pour nous écarter 3 conseillers, ça a résolu ce qui n'est pas capable de faire. Nous n'avons pas le droit d'écarter. Nous n'avons pas ça dans le décret, nous n'avons pas ça dans l'accord là. Il va marquer qui côté nous a fait ça. Nous n'avons pas le droit ça. Ok. Nous n'avons pas le droit dans l'accord. Pas que aucun côté le marqué pour dire écarter 3 conseillers. En avance. Donc, pas de bon tentative pour ça, non? Ça dit, nous n'avons pas le droit ça. Nous avons des opinions personnelles, mais nous n'avons pas le droit. Et on doit que l'accord là ni décret à pas nous. Donc, nous n'avons pas aucune tentative pour que nous te prenions une résolution pour nous écarter 3 même ça. Moi-même, je ne suis pas au courant de tentatives d'écarter mon salaire. Et moi, j'étais constamment en contact avec le conseiller-là, par Zoom, par téléphone, par email. Mais attendez, peut-être que tu as gagné des idées de faire ça, mais je ne suis pas au courant de ça. Il y a plusieurs, collègues. Je ne sais pas qui là dans le conseil là, mais il y a plusieurs collègues, M. Voltaire, nous parlons ensemble avec le conseil présidentiel là, qui même voyez au draft une résolution qui était voulu prendre, pour être capable de mettre sous côté en attendant l'enquête 3 conseillers présidentiels. Et en attendant soit une commission qui fait, soit elle s'est fait travailler. Donc il va mettre au courant de ça pour nous là. Bon, de toute façon, même si tu es un draft, c'était une idée d'un draft et il était besoin d'un vote de 5 sur 7 pour que le dépasser, mais pas un vote qui fait sous ça. Et même pas en parler, oui, il y a besoin de 5 sur 7, comme il y a pas gain, comme il y a pas gain 5 sur 7 là, c'est 4 sur 7 y a gain, parce que 3 monde qui t'a doué vienne faire majorité à, il y a pas d'accord ensemble avec lui, c'est ça qui fait pas passer. Ouais, pas trop courant, pas trop en décembre là. Pas gain et possibilité pour mettre avec ça. Ça me Ok. Mais maintenant, comment conseil là, Antoine, gérer ça? Rester dans le silence, Jean-Noël Fell là? Non, nous pas rester dans le silence. Et toi, concerné, y aller dans l'ULC. Donc, nous même attendons et nous d'accord que si le verdict ULC n'est pas bon pour vous, vous même y a démissionné. Donc, nous même attendons. Ok. Maintenant, si vous comprenez bien, c'est vous même y a une décision ULCC. Oui. Oui, nous-mêmes, nous sommes nous... la justice. Ok, ok. Bah, okay. Pas, nous sommes juges, nous-mêmes. Mais même tantôt, il y a un collègue qui nous parle ensemble avec vous. Et bon, peut-être que en off, avec en on, bah, il est capable différent, mais il y a un collègue qui nous parle ensemble avec lui dans le conseil-là. Contrairement avec vous-même, qui paraît, comme Kwame Dadjo, paraît imperméable par rapport à image et conseil là qui est connu avec scandale corruption ça sur toi Mambli et d'autres collègues ont dans te paraît plus préoccupé par ça et au même te dit paraît inconfortable préoccupé et te même te dit tout et tu as l'impression que tu as venu jeune bon côté communauté internationale là sous ça communauté internationale là li croit lancer un procès équitable ou bien des procédures équitables. Ça, en anglais, c'est le due process ou bien due diligence. Depuis que vous allez dans l'ULCCA, vous êtes obligé de retenir. Regardez, Trump a 34 chefs d'accusation tout le monde. Là, dans le tribunal, ils ont inculpé pour taler le président sur vous-là, sinon, battre Dieu. Merci, Excellence, parce que vous êtes ensemble avec nous pour parler à vous. Et en nous demandant deux précisions sur le point de tabord avant poser la poids, et après ça, nous allons passer dans plusieurs autres points encore. Et comment nous-mêmes, au niveau de CPA et CPTA, nous comprenons qu'il y a des secteurs qui représentaient en dedans, qui déjà mettaient en place mécanismes pour remplacer
conseiller présidentiel non cité dans dossier corruption hein. Et gien même non yo déjà voyé by CARICOM et gien même secteur qui écrit nous deux secteurs en particulier Montana avec collectif et 30 janvier qui écrit ce dossier ça pour demander nous pour nous prendre des décisions politiques sur situation toi monsieur ça. Non, OK. Nous pas capable prendre décision sans preuve tangible que l'ULCC baille pour que yo dit que M. Sayo yo enfreint la loi et faut yo prendre des sanctions contre lui. Donc nous-mêmes, nous attendons une décision de justice. Là. Secteur, même si vous écrit CARICOM, CARICOM n'a pas gagné un pouvoir pour retirer personne en dedans conseil et présidentiel là. Même gens, ni Blinken, ni ambassadeur américain, ni communauté internationale, pas de pouvoir pour retirer monde si vous pas empêché, si vous pas mouru et si vous pas démissionné. Donc, c'est vous-même qui attend décision de justice là, et vous-même vous d'accord. Si décision de justice là, pas en faveur, si pas de preuve tangible, vous-même vous démissionné. C'est seul gens que le secteur ça est capable de remplacer. Nous approchons M. Voltaire qui est purement moral. Et il a souvent dit que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Comment comprendre ça? Eh bien, nous-mêmes sommes boulettes que nous traînons parce que législateur, en ce sens, nous-mêmes qui étions écrits à corps là, nous ne jamais penser que nous avons privé une situation comme ça. Qui fait que nous avons trois conditions. Empêchement, mort et démission. Mais nous ne pouvons pas mettre corruption, nous ne pouvons pas mettre et justice, et nous ne pouvons pas mettre ça là-dedans. Donc, nous sommes obligés de vivre avec ça. Si on voulait être une traîne, et c'est individuellement que chaque monde est capable de prendre une décision, pas eux. Mais le conseil n'a pas qu'à prendre une décision pour écarter le monde. Mais est-ce que nous pensons que la situation ça, les conséquences sur l'image, chaque grain de membre dans le conseil là? Les gains conséquences, c'est pour ça que je dis, c'est quand on l'a de Chine qu'on voit sous lui puis qui va effacer, mais obligé de vivre avec lui. Ok. Donc, si par exemple, c'est l'un des présidents qui m'ont dit sur ça, si par exemple, l'ULCC a sorti un rapport et que il a retiré tout doute sur M. Sarah, nous n'avons pas de problème pour nous continuer à fonctionner ensemble avec lui. Si vous retirez tout doute. Boulette là, vous avez une boulette en coton. Oui. Oui, jusqu'à présent, boulette là, parce que l'image là pas bon. Nous-mêmes, nous dit que nous n'avons plus lutté contre la corruption, mais nous n'avons pas de moyens légaux pour nous écarter trois conseillers. Et nous consulter un paquet de juristes. Effectivement, il y a un problème moral, mais il y a un problème juridique tout. Il y a un problème politique tout. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de moyens ça. On a dit, ULCC pour un titan. Avant les bails et rapport li, 7 octobre, c'est dans mon espace au mois, et que pour Smith Augustin prend reine conseil présidentiel là, et si passé 7 octobre, ULCC c'est pas dans les rapport li, passation a fait normalement? Passation a fait normalement, sauf si Smith Augustin t'a switch avec un autre conseiller. Ok. Sur ça, ou bien précision claire sur ça, selon vous-même. Maintenant, on nous garde plusieurs autres points. Tu as gagné en pile de difficultés pour le conseil présidentiel, tu as mis en campé le conseil électoral provisoire, là, avec en pile contestation. Et déjà, au départ, Jean que mécanisme était fait, tu as en pile critique sur ça, sur l'opacité que tu as gagné sur le processus de mettre en campé le conseil électoral provisoire. Là. Et c'est environ 2 à 3 secteurs qui véritablement pas de gagner trop de difficultés là-dedans, puis au bah, monde va contester. Mais pour le reste, tout est contesté pour cause. Nous arrivons à mettre campé au conseil électoral 9 sur 9, c'est 7 sur 9. Ce qui base nous décidé, sous choix qui contesté, nous avons un tel, nous quittons un tel. Bon, il faut me dire que nous avons affaire à une société qui est bloquée, qui n'est pas fonctionné bien. Depuis quelque temps, surtout après tremblement de terre là, et surtout après invasion gang yo fait dans tout pays, surtout dans la zone métropolitaine, déplacement moun, etc. Et programme Biden, donc gang pile problème dans la société a désorganisé et
pour yo choisir entre yo un secteur difficile et c'est pas CPTA qui te gain pour faire choix. Si CPTA qui te gain pour faire choix, nous t'a choisi des personnages illustres au-dessus de tout soupçon, etc. Mais c'est pas nous-mêmes qui a fait choix, c'est société qui a fait choix. Société a lié plusieurs associations. Accord là, dis-nous, mais qui association pour nous prendre, pour que nous demander aux coordonnées pour faire nos choix. Les difficiles, ça qui est plus facile, yo, c'était l'Église catholique, c'est l'association de pression. Mais tout l'autre, yo difficile, c'est la difficulté que nous avons choisi et nous connaissons que par des contestations, nous réussissons à joindre 7 membres. Il y a un secteur et femmes qui dit que l'État Bali depuis avant hier soir, et nous avons confiance de la Bali parce que nous avons deux candidats. Et il y a un secteur droit de l'homme qui a un problème parce que il y a une hostilité entre deux secteurs que nous demandons de choisir. Donc, en fin de compte, CPT après l'obligé de faire un choix, mais ce n'est pas ça que nous avons aimé. Ok. On dit si CPT a fait un choix, il a fait des citoyens illustres. Est-ce que ça veut dire que ce secteur choisi ne nous pas retrouver au. Et nous pas retrouver dans d'eux, mais comme c'est eux choisir nous pour eux quand même. Non, nous retrouver nous dans les choix que nous avons fait. Mais nous-mêmes, nous te pensons qu'en coup d'adou des mondes comme Franck Etienne, des mondes comme Pesmat, des mondes comme Jean Casimir, des mondes au-dessus de la mêlée. Mais c'est pas ça qui vivait. Bon, c'est société à qui consent. Et peut-être que mon savait que m'a parlé à là, il n'y a pas tapé d'accord tout. Ok. Donc, bon, pour être de quatre figures, c'est avec vous, on va expliquer nous, qui mécanisme nous avons choisi. Le secteur protestant, tu es trouvé pratiquement dans la même situation avec et droits humains. Pour le secteur protestant, nous décidons de prendre un membre. Et pour qui ça nous pas fait même décision pour les droits humains et ce qui base, nous décidons de trancher dans le secteur protestant. Bon, dans le secteur protestant, c'est la fédération protestante là, qui est toujours lui-même, et nous sommes d'accord que c'est la fédération protestante là. C'est lui-même qui est plus grand, qui réunit plus de monde. Et puis c'est lui qui est plus connu, c'est lui qui a son institution que lié. Donc nous prenons une décision ça, et sous compte pas nous. Et pour le droit de l'homme, nous pensons qu'il y a gagné en 2 à 3 jours encore, il est capable de décider. Si c'est pas ça, on a fait un choix. Qui pas contesté, nous pas t'en aimer des choix qui vraiment contesté. Quatre figures qui présentées avec le secteur droit mouna, c'est pratiquement même quatre figures avec le secteur droit humain, et avec le secteur protestant. Pratiquement, c'est nous-mêmes qui demandons au secteur protestant pour que l'y fait parler avec l'autre organisation, pour que l'y fait choix. Pour que ça ne fasse même avec l'Église catholique, c'est ça qu'on m'a dit. Pour nous juste voir choix, bail, secteur et bail et fédération. Je comprends une question. Vous parlez de l'Église catholique. Finalement, désir, au cas comprendre que c'est un pays difficile pour moi de quoi faire notre réalité dit été. Et ça montre déjà que question KIP organisation élection dans le pays en désir. Ça va créer un bouleverse. Restez là dans le pour nous. Et pas ça me souhaiter, c'est pas ça nous souhaiter, mais ça va créer un bouleverse. Pas oublier que des monde par exemple, que des noms là par exemple, sous pendant que Jacques Séry Joseph qui représente le secteur paysan, il était passé dans KIP dernier KIP à Simbatropim. Bien que en plus monter monsieur comme un nèg qui pas trop mené dans bagarre scandale corruption ou pas. Mais si à la base, monsieur, c'est un ou bien des secteurs qui pas des contestations, c'est la presse avec l'Église catholique. Mais après ça, culte réformé qui c'est protestant, et bon, ouais, droit humain, ça c'est pas courant, ça a fait avec, secteur femme, et qui est encore. Aidez-moi des igames, j'ai oublié la tête, mais là, non, Vaudou. Parlez dans Vaudou. Vaudou, et puis monde syndical, tout bas, et ça y est. C'est des secteurs qui étaient vraiment contestés. Alors, tu as eu des batailles dans le temps secteur ça yo, par rapport avec vos représentants. Yo. Et je tiens à moi dire, et nous te dit dans le contexte. Et nommé, arrêté, installé. Alors, tu as eu 9 sous 9, 9 membres conseil qui installés. Bon, jusqu'à présent, nous partis pour 7. Donc, monsieur, ici, tu as eu des membres, des secteurs, bah, ici, a toujours eu des droits humains, bien mesdames, pour capable voir les gens qui n'ont pas de contestation. Bah,
et si finalement ça va arriver fait dans peut-être délai qui au bail avec deux secteurs ça yo yo capable faire choix de l'autre secteur pour dire bon est-ce qu'il y a choix du secteur jeunesse ou bien université par contre ça la bien et pour capable compléter parce que publié arrêté avec 7 sur 9 conseil président et conseil électoral là il déjà montre que son bagage qui mal parti c'est déjà bagage qui mal parti qu'on y a là mal parti parce que en termes de règlement ça la loi dit principe interne la loi mais tout mal parti parce que là il peut causer un problème parce que secteur ça yo des ouais déjà non réseau pas publié pour secteur droits humains avec femmes non déjà grand pile alors en pile organisme qui déjà dans secteur ça commence à tirer pied pour trouver comme si c'est une insulte comment fait que et tel secteur de bataille va faire ça puis alors que et eux même vous comprenez mais je dis à m'a dit non bagaille faut gagner élection. Moi toujours dis ça faut gagner élection. Mais kounya faut gagner bon j'ai élection. C'est pas élection piqué collé. C'est pas élection ti clan ti groupe que loyer. C'est élection crédible, honnête, transparent et démocratique j'en aujourd'hui là. Mais si c'est comme ça bagarre la partie là, nous ka dit et moi même pas connais non, mais m'a souhaité là, m'a souhaité moi désir pour nous là et une intérêt pour nous là pour que une capable continuer analyser et de moun comprendre. Et puis en plus tout, en nous garder. Si, non mais conseil ou pas les dire seulement, parce que pas c'est une machine électorale. Et l'autre dit machine électorale, on compte tout ça qui est important dans la machine. On compte toutes ces pièces, tous ces détails, tous ces câbles, tous ces fils qui est important dans la machine. Est-ce que comment on va le faire pour mettre toutes ces câbles, toutes ces pièces, toutes ces bases dans la machine pour que machine ça fonctionne bien. Parce que là c'est là pour nous garder, là c'est là pour nous aller. Est-ce que je dis, hein, nous pral rive nos dimensions? Est-ce que je dis, hein, nous pral rive nos niveaux que, et, je suis Jovenel Moïse, il était déjà mouton carré. Bon, Jovenel Moïse, en est pas arrivé fait. Bon, Ariel lui-même, par contre, s'il te gèle ça dans le plan, s'il t'a fait ça, bien que Ariel pas de j'aime ça dans le plan vraiment. Mais est-ce que je dis, hein, avec question ça, j'en ai déjà, c'est de bâiller cap protester, cap contester, cap discussion tout ça, yo, à qui ça n'a l'attendre et à qui ça n'a privé des Yévenesses. La situation même, monsieur Damou, qui est dans le conseil présidentiel de transition, qui arrange et qui fait choix, Mounsayo, ou bien qui recevoir choix, que diverses organisations ça ont fait, ouvrir dans le conseil électoral provisoire. Yo connaît même, c'est dans le jouet que oui, yo connaît c'est dans le jouet manger terre, tant que Jean-Ariel Henri de Cadil, c'est dans le rancetail que oui, parce que terrain n'est pas propice pour organisation élection. Et c'est sous plusieurs formes. Ça, c'est notre garden. Mais le conseil électoral provisoire à camper, c'est bien, qui va permettre que Yoshita, sous ensemble organisme, qui va constituer batterie pour organiser l'élection, t'as coup BED, BEC, ok? C'est BEC, c'est bureau électoral et communal, BED, c'est bureau électoral départemental, et puis arranger, pour mettre tout ensemble ça, disponible dans le département, dans la commune. Mais, qui côté yon va le traverser pour faire ensemble activité ça? Par rapport avec ça que nous fait face à que nous-mêmes nous capables comprendre qui nos situation précaire et même difficile qui porter des gros doutes sur situation qui est là est-ce que la ca résoudre pour le résoudre qui gens le faire résoudre à partir de qui ça n'a résoudre c'est insécurité d'abord il y a pas d'insécurité dans insécurité tout simplement mais insécurité à empêcher avancer tout ça 700 millions de gouttes qui mettait disponible doute de son poussière monnaie qu'il y a par rapport avec quantité d'argent qui a besoin pour organiser l'élection. Parler de marathon, ou pour chercher de tout côté. Mais je dis, où est la communauté internationale là? Libre position. OK? Libre position, libre de direct dans la position qu'elle prend. Il n'y a pas financé question mission, soutien, support avec la police, qui permet d'obliger à penser si vous transformez mission ça. Et je dis, pour parler de l'élection. C'est pour Nations Unies, les personnes, il y a content, y a bat bravo pour question décision qui prend pour mettre KIP sous pied. Mais yon même yon connaît au fond, jusqu'à présent, c'est tant qu'a perdu, question organisation élection, li pou ko pare clair en dedans pays. Organisation yon a goumé entre yon, dès le début. Et d'autres pigots qui gagnent, pas oublier que trois conseillers présidentiels qui dans scandale, moi André Michel dit ça, li permet que tout le monde a gagné des doutes sous ensemble décision que nèg yon a pèsé d'autres comprend. Ok? Soit attendez le Steve Voltaire, li montre que yon croit. Dans la loi. OK? Parce que vous dites, vous allez, vous avez une question morale, oui, vous allez retirer les gens, mais dans ce qui est pour avec question judiciaire, il n'est pas légal, il n'y a pas qu'à faire, parce qu'il n'y a pas de prévoir dans le rapport. Vous avez tout le bagage, mais vous n'avez pas de question de corruption. Mais regardez, tout le monde est corrupteur, tout le monde est corrompu.
tout nèg de ces volants, il y a pas jambe, il y a pas jambe mettre barrière contre la corruption, comme si nèg pas de prévoir, il y a pas de prévoir gagner au tes pivot les passer l'autre qui prend des volets qui prend des braquer. Nèg pas jambe prévoir ça. Neuf idéologies, neuf centres différents chita ensemble pour al prendre contrôle la présidence, il y a pas de connait gagner qui pivot l'autre passer l'autre. Gagner qui besoin l'argent à tout pour al participer dans l'élection. Il y a pas de prévoir ça. Et là, on connaît c'était même lui qui va organiser l'élection. N'est-ce pas préparé quoi? Ouais, tout ça qui est en dedans, encore ça qui n'est pas publiable, c'est des pièges qui sont liés pour la population. Si on dit que à quoi pas permettre ça, mais à quoi te dit c'était 4 ou 7 qu'il était, voiture était 4 ou 7 qu'il était, qui ça permet de faire des violations, de 26 sur 7. Il aurait été d'accord? Son équipe malandrin, à cravate, qui occupait l'État, son équipe nègre, qui parlait conscient que contribuer dans sa pays là parce que en pile là aussi ancien sénateur, en pile là aussi ancien directeur général, en pile là aussi ancien ministre, en pile là aussi c'est ancien parlementaire. Yo conduit pays à Vinjonia et yo senti confortable. Ouais jusqu'ici, yo senti en sécurité. C'est le peuple qui est en sécurité qui senti insécurité à frapper. Mais quant à pour conseil présidentiel, directeur général yo. OK? Ministre yo, yo confortable avec ça qui a passé là. Et me garantis que quand tu vas passer, la difficile pour eux, bandit vient faire pression sur eux. La difficile pour eux, bandit attaquer eux. À moins que l'air où tu es le premier ministre, tu descends à l'hôpital général où tu fais passer un coup de balle. Vu jusqu'à présent là, c'est la première fois que le premier ministre sorti, là, dans des zones qui nous connaissent qui plus à risque que l'air où tu es attaqué. Et ça vient permettre que l'air où a offert une image avec la communauté internationale là, il a offert un discours avec la communauté internationale là pour dire Haïti est en sécurité. Gain sécurité et Haïti est revenu au calme, des calmes dans le pays. Ensemble, espace que mon pas de fréquenté, je commence à fréquenté. Pendant que vous connaissez avec quelques sénomatiques, le monde qui passait directement dans le conseil électoral déjà, qui pratiquement décrié, qui a des dénonciations qui ont fait contre vous, c'est vous qui avez choisi le secteur droits humains. Vous avez dit que POHDH prend disposition, fait tout ça qu'elle doit faire pour question ça. Pour moun ki ta dwe al prezante, le parti de Gédéon Jean, et c'est de diverses organisations qui ont défendu la monnaie dans le pays qui te voté pour ça. Mais RNDDH, avec Pierre Espérance, comme baron et organisation qui ont défendu la monnaie, comme maître pays, parce que depuis Pierre Espérance parlait, c'est fini. Depuis Pierre Espérance dit, moun sa son cadavre vivant, blanc d'accord, qu'elle son cadavre vivant. Et ouais, je dis, des gros guerres, des gros batailles, parce que y a intérêt qui a payé et qui a défendu là. Ce n'est pas intérêt de la nation, mais chacun qui a porté bourré dans ce sens pour prendre contrôle du regroupement, pour prendre contrôle du secteur, qui va permettre de consolider plus de monde et des opportunités pour faire plus d'argent. Si le peuple n'a pas arrangé, il a venu là, il a fait une élection bonne maintenant, et bandit a arrangé, il a dit mais qui est-ce qu'il a besoin comme président, mais qui est-ce qu'il a besoin comme sénateur, mais qui est-ce qu'il a besoin comme député, mais qui est-ce qu'il a besoin comme magistrat, mais qui est-ce qu'il a besoin comme Kasek. Et puis, vous tendez, nous plonger dans la même situation, en rien pas changé. Et Blaise, pas de pièces, conditions qui réunissent pour gouvernement transition et faire élection. Parce que vous avez perdu un paquet de temps déjà. Vous avez dit que la situation est difficile. Sur vous avez déjà dit, mon cher, où est René Kabdou? Comment soit ministre justice ou ministre éducation, Abdou Grand, puis le contrainte, mon cher? Ou bien, vous avez l'école là? Pendant cette tête, Simon Matisse va pas à l'école. Simon Abalaka ou Nansa va pas à l'école. Si mon la salle m'a pas l'école, lycée Petro, si m'a pas l'école lycée Petro, il dit, n'est-ce que vous tout faire mascarade, parce que c'est là où je suis semaine encore. L'école l'a pris à l'ouvrir. Donc ça, il faut comprendre ça très bien. C'est ensemble de décisions, on cap dit nous, question élection qui est en train de parler là, est-ce qu'elle peut le faire vivre? Pas de combien de corps qui a besoin pour organiser l'élection, Blaise. Volume là, j'ai dit, il y a besoin. Et il parlait de 700 millions, que vous prenez, vous mettez disponible. Ben, c'est l'argent pour nèg blanchi. Mm. C'est l'argent pour nèg régler ses affaires pa yo, l'argent pour nèg prendre plaisir bon piscine parce que je dis un hôtel de luxe qui dans niveau capital là, il revient nèg sous compte c'est tant que c'est la caillou parce que après majorité bureau d'administration publique c'est là qui est obligé loger. Il y a payé pour l'argent. Soit tant de ministre économie et finance qui dit que l'état vient là c'est une question de dette aérée qui a payé seulement. Majorité bureau l'état yo, c'est dans des espaces privés. Y a fait tes amis, y a fait quoi? Tes amis, tes partenaires, y a fait quoi? Soit y a payé une année, y a jeune, y a payé une année, après ça, y a fait 10-15 ans, y a pas jamais payé, et qu'il y a même y a payé. Et, vin go bagay la dan. Pas bien, nek qui te directeur, c'est lui même qui te fait des matchs là. Li kap payé.
et puis et démarche administrative pas fait pour montrer qu'il pas n'importe là l'autre gouvernement vini pour ramasser l'argent ça pour venir dans poche li. Parce que c'est comme ça, c'est mafia, c'est volé dans tout niveau. Pas de yon, c'est qui a fait confiance, je dis, dans ce qui a passé. Et c'est un programme pour entrer un pifon dans tout côté nous. Et malheureusement, c'est un bon peuple qui est difficile pour le réveiller, qui est difficile pour le comprendre. Macacri, grimace qui a fait la situation. Moi-même, c'est que je dis, il faut que le peuple prenne un complot. Nous prenons un véritable complot. Et le complot nous prend, bagarre la vraiment compliqué, désir. Et bon, c'est que. Bon, c'est que désir. Est-ce que son mal Haïti fait la paix? Comme si pour aujourd'hui, à un niveau que nous mettons pays là, pour nous décider de continuer à effondrer le pays. Dans un niveau que nous mettons pays là, nous continuons pas honte, nous pas gêné, nous avons effondré le pays. En tout cas, désir, on regarde si nous avons fait un petit calme toujours dans les Voltaire et après ça, on est capable. Commencer à nettoyer. Et fait inventaire ça gagne hein? Pour le faire et audit cadre démologue là parce que cadre démologue là il a pile doute sous lui moi même personnellement notamment des compagnies démologue là parce que moi c'est lui en France c'est lui aux États-Unis c'est lui en Allemagne c'est lui tout partout au monde d'ailleurs mais c'est lui qui vient pour faire audit là parce que pas quoi elle perdu escampfiguli pour 7 millions de votants alors que lui gagne des centaines de millions de monde qui dépendent de lui en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, etc. Donc, nous pensons qu'il faut inventer ça, en fait. Il faut que nous regardions qui côté nous allons mettre le bureau de porte, etc. Donc, il y a des mécaniques qui sont capables de faire en attendant que sécurité a baillé. Mais si sécurité a pas baillé, il y a un problème pour faire et baillé ça. Et je crois que nous avons réussi à faire l'élection. Il n'y a rien que la diaspora a voté tout. Il n'y a rien que le vote la fête en Dominicanie, que le fait est aux États-Unis, que le fait en Amérique latine, côté nous gagner 2 millions un monde et peut-être 1 million ou 500 000 votants que nous allons chercher. Parce que nous l'on cafou, côté tout le monde fait là-dedans. Effectivement, créer un conseil électoral est crédible pour tout le monde ça yo capable de reconnaître, yo bien confiance pour y aller voter avec lui. Il faut que lui-même tout l'établit. Et confiance ça, et c'est notre travail par eux, la communication par eux, que nous avons besoin de crédibilité ça. Donc, et une fois que nous finissons créer CEP ça, et que l'établit crédibilité, nous-mêmes, c'est renforcer lui pour que le plus de votants possible capable de faire et autour de octobre, novembre et 2025. Nous n'en faisons pas septembre. Je dis à 19, moi, c'est peuple là, il y a plusieurs passés là-dedans que qui est écrété. Nous, au conseil électoral provisoire, nous avons échec dans ce qui, dit fixe. Et, ou même qui c'est un ancien candidat à la présidence, ancien ministre, politique, ou confiant que, à rythme, nous allons aller là, n'est pas capable d'être fait élection l'année prochaine et puis ainsi de gagner de nouveau. Oui, moi-même, moi confiant, puisque si vous regardez, nous créons un décret qui baille conférence nationale et qui prend le bail réforme constitutionnelle. En dans réforme constitutionnelle là, vous avez droit ouais que nous créons un nouvel organisme de qui sont conseil électoral permanent. Donc, pral bon référendum qui pral permettre que le conseil électoral fasse référendum, non? Qui pral bail prochain conseil électoral permanent. Donc, à partir de février-mars, nous allons commencer le processus électoral là pour que, en octobre-novembre, nous sommes capables de arriver à un vote. Là, moi, confiant. Ok. Mais bon, avec gens optimistes par rapport à réalité réaliser l'élection avant l'année prochaine est fini. Mais en même temps, tout, nous essayons de tout le temps ça pour que nous mettez campé en conseil électoral depuis le 18 juillet. Nous APC et campé, nous sommes capables de vivre et campé tout. Et nous parlons de tout pour nous faire réforme constitutionnelle. Et si on a des doutes sur échéancier et le. Policier dans la juridiction, policier qui dans la juridiction d'Elma et Blaise. On a dit. Ok, on a dit. On va faire trois rentrer.
La société Comanouye, quand on avait nous jeudi dans une nouvelle émission, je ne connais déjà, émission Carrefour Vérité, nous prenons analyser, nous prenons questionner, nous prenons regarder ça comme information, avec collaborateur Désir Venesse, que nous connaissons chaque jour, qui est important pour nous analyser et regarder ça comme information. Désir, soit bien majeur, mon frère. L'invitation de la police Nadelma a annoncé que vous mettez main dans Colette Johnson Antoine, qui est un présumé bandit qui fait partie réseau criminel 400 Maozo, c'est dans Gérald Bataille, que vous mettez main dans Colette aussi là, et qui pratiquement a bail problème en dedans pays. Selon la police, président pays Kenya, William Ruto, a annoncé qu'elle doit rentrer en dedans pays dans le jour 21 septembre 2024 là, et le chef l'État kenyan voulait essayer donc de constater ensemble, j'ai fort, que policiers kenyans a fait dans le pays d'Haïti pour aider police. Police nationale d'Haïti. Et l'invitation de question corruption, nous avons qui pour avec conseil présidentiel transition ou gouvernement qui l'a, il y a un pile question qui a posé. Selon DJ Benel, chaque mois, équipe qui sous pouvoir, y a braqué l'État, comme intelligence là, qui évalué à 454 millions de goudes pour Palais National et 400 millions de goudes pour Primati, 40 millions de goudes pour ministère intérieur, 14 millions de goudes pour Gojera. Par contre, qui est-ce qui Gojera? Est-ce que c'est le premier ministre qui est Gojera? Il parlait de 154 millions de goudes pour service d'intelligence et il demandait qui ça a fait avec l'agence à Blaise Personne. Parce que jusqu'à présent, nous remarquons que la police a goumé à zone et nous avons rappelé que le premier ministre Dr. Gary Kony, avec mon gouvernement, Yoshita, yo présenté avec la presse, bilan que yo travail yo réalisé pendant 100 jours que yo gagné depuis y a dirigé pays. C'est le premier ministre Dr. Gary Kony, il y a ensemble matériel que yo remet avec la police et la Midaïti, et discussion continuer avec pays amis, pays voisins, pour au moins aider l'armée à retourner dans fonction en dedans pays, dans protéger, il parlait des moyens maritimes, il parlait des moyens aériens, elle parlait des armes qu'elle fournit avec la Médaïti, même gens avec la police. La situation du département d'État américain, malgré ça, il fait quoi? Il a porté comme support en dedans pays, et bien, la situation, crise et sécurité qui a traversé le pays, lui affecte sérieusement ça qui est pour avec financement et national. En pile compagnie, c'est extrêmement difficile. Il est capable d'honorer des dettes à contrat qu'il a gagné, surtout avec la banque. Les regardez, ils ont ensemble six branches. Et dans la banque commerciale, yo, aux environs 59, obligé camper, il n'y a pas qu'à fonctionner ou bien au pied. C'est ça, gouverneur, banque centrale, la BRH, Gabriel, déclaré l'institution parce que lui fait quoi que la situation paraît très difficile, selon Ronald Gabriel. C'est GFO qui a fait, qui permet qu'il y ait été toujours. Établissement, conseil électoral provisoire, secrétaire général, Nations Unies, Antonio Guterres, bat bravo, lui féliciter avancé qui a fait la yo jusqu'à présent. Pendant la rappelé, et Dr. Gary Kony, déjà pas dans le pays, il est pratiquement allé à l'État New York pour au moins al discuter dans la 79e Assemblée Générale Nations Unies côté Opgal discuter. Pendant les États-Unis, il a continué un engagement qu'il a gagné envers Haïti pour le travail, pour la stabilité en dedans pays, eh bien, 100 personnes pas capable comprendre ça qui est là. Hein? Parce que je veux dire, même département d'État, yo Antonio, dans mise à jour que vous faites, mercredi qui était 18 septembre, là, eh bien, dans ça qui est pour avec conseil voyage, qui reflétait plus problème dans le pays d'Haïti, information sous crime, eh bien, Haïti, li pratiquement, dans 4 années consécutives, les personnes, eh bien, Haïti, li kembe, yon alerte maximum 4. OK? Ensemble, ressortissants américains, selon le département d'État, patadoué, voyager dans le pays d'Haïti à cause de kidnapping, crime, agitation civile et qui pratiquement a service santé qui limité. Et ligade tout, dans sa qui est pour avec question avertissement, que le département d'État, yo fait connaître aéroport Port-au-Prince, capable yon point focal pour bandits armés, capable de faire braquage, kidnapping, vol armé. C'est peut-être ça. Yo conseiller ambassade américaine conseiller elle exige personnel yo pour yo utiliser transport officiel pour y aller et dans aéroport à sortir dans aéroport ça veut dire bagarre pas trop facile du tout en dedans pays hein si nous coûter ça les États-Unis dit pendant c'est eux même cap supporter c'est eux même cap faire formation pour police nationale d'Haïti conseiller présidentiel Leslie Voltaire Leslie Jackson lui déclarer conseil présidentiel là a fonctionné sans pièce problème. Mm-hmm. Pas de pièce problème dans le conseil présidentiel transition. Mm-hmm. Malgré soupçon corruption que autant de qui gagne, sous 3 conseillers présidentiels, en pile secteur et des mobs dans l'organisation dans le secteur d'accord à 21 décembre, d'accord aider à demander pour yon écarter
membre qui est au conseil présidentiel transition pour Leslie Voltaire, monsieur Sayo, c'est Jésus qui est, il dit qu'embé là, pas retiré dans conseil là parce que conseil là jusqu'à présent l'a bien marché les personnes. Kounia, si ça la pose peut-être comme question, est-ce que c'est population qui pratiquement et a fait menti sous nègre ou bien c'est population qui problème là? Eh bien, Réveil National, avec diverses structures, partis politiques, organisations, te décide de fouler béton hein, dans l'idée pour te commémorer. Vous te relèle marche des braves. Vous te commémorer 266e année naissance empereur Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de la nation, diverses personnes, diverses activités étaient réalisées. Dans le niveau capital, là, côté gain divers acteurs qui parlaient, nous pouvons permettre 100 000 internautes, mais cette nouvelle, Blaise Info, Point Nouvelle, votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti, reconnaissance, sous ensemble ça, vous avez dit, dans le cadre journée de Saline, diverses personnes. Désivez-le, ça, que m'a pas ajouté en bas, j'aime que moi là, qui est assemblé, bandit, Belen, à Kempes, à diriger, n'est qu'il assemblé, tapiqué, tifé, dans plusieurs cas, dans zone Kafou payant, et je n'ai qui s'est vendu divers septembre, non, mais malheureusement, désir selon que ça n'a apprendre elle négo al tomber son petit blindé et semble un peu nek ta faire pour monsieur Chavo hein nek yo qui semble ta piquer différent ensemble de kay moun ki dans zone ça mais en même temps tout nek yo en pile nan yo kal pantan sou blindé la médaïti kal pantan sou blindé et police haïtien yo nek yo en pile nan yo semble al faire vrai pour pays sans chapeau des Sivenes. Nous va venir avec plus de détails sur ça parce que les amis internautes, qui eux-mêmes ont suivi nous, ils ont toujours besoin de connaître ce qui a passé en Haïti et surtout à l'étranger. Les Ivenes, nous apprenons que le président du pays Kenya, William Ruto, monsieur qui t'a droué, nous avons visité quelques heures dans le pays d'Haïti, jeudi samedi 21 septembre 2024. Le président du pays Kenya, William Ruto, monsieur qui t'a droué visiter Haïti pendant quelques heures, jeudi cap samedi 21 septembre 2024. Là. Et William Ruto, monsieur qui a pu visiter tout et base monsieur Kenyan Lio qui est en Haïti depuis 25 juin, côté de Giovini en support, en appui avec la police nationale d'Haïti, Désir Venesse. En même temps, tout mon frère, si que Leslie Voltaire fait connaître que tout le bagage a bien marché, bien marché, dans le temps conseil présidentiel transition. Eh bien, pour dire que, question 3 conseils nous cité dans le scandale de corruption que en plus nous a demandé pour EKTO, Leslie Voltaire, monsieur qui se représente en famille Lavalas, monsieur compte l'idée pour ta EKTO, les trois monsieur Sayo, en parlant de Louis Gérald Gilles et Emmanuel Vettilaire et Smith Augustin, que ces trois monsieur Sayo, qui nous cité dans le scandale de corruption en dedans. Et conseil présidentiel transition, hein? Et les que nous connaissons que, monsieur Sayo, yo impliqué dans ce cas de la corruption avec ancien président conseil administration BNC, hein? Monsieur Raoul Pierre, lui, qui t'a fait connaître que trois monsieur Sayo demandé lui 100 millions de goudes pour que tu es capable de reconduire comme président et BNC. Eh bien, désir, semble, CARICOM lui-même, ouais, bagarre l'autre gens. Semble, CARICOM, il t'a demandé pour retirer trois monsieur Sayo, qui c'est Louis Gérald Gilles, représentant quoi 21 décembre, Emmanuel Vettilaire, représentant Petit Dessalines, et Smith Augustin, représentant Red Aidé et Compromis Historique. C'est que, il y a le temps de pour trois messieurs Sayo, mais pour t'arrêter si on sa CARICOM fait qu'on est. Et pas oublier, qui dit CARICOM dit les États-Unis, parce que c'est États-Unis qui va nous CARICOM. Elle dit les CARICOM parler, c'est États-Unis parler. Mais je dis à désir, pas de nous bagaille. Nous avons qui ban politicien salope en dans pays ça. Nous avons classe politique salope en dans pays. Nous avons une élite intellectuelle salope en dans pays. Nous avons la bourgeoisie salope en dans pays. Nous avons sa nele société civile. Yo même tout. C'est des manfou mais qui oyé. Ça ne pas oublier que diaspora haïtien tout. Que jodi an. Yo tout a plein. Yo tout a dit que pays a pas bon. Trop insécurité, trop misère, trop violence, trop grand goût. Mais yon pa vle fè an en sérieux pour retirer pays dans sa li la. Yon seulement rete a plenye. Yon seulement ap tan mouche blanc. Yon seulement ap di mouche blanc, pa vle fè an en pou yo. Mouche blanc bloke pays. Mouche blanc ap fè si. Mouche blanc, mais yon même en soi, yon pa vle fè an en pou pays sa. Yon pa vle kole sepol yo pour retirer pays dans sa li la. Je dis, hein, bah c'est que, doué que ça n'est un appel à la conscience citoyenne, qui doit prendre la cache chaque haïtien pour comprendre que Haïti,
chéri nouan, c'est pas ni étranger, c'est pas ni américain, c'est pas ni canadien, c'est pas ni blanc français qui a venu tirer Haïti dans sa là, c'est nous-mêmes d'abord haïtiens qui vous mettez ensemble, c'est nous-mêmes d'abord haïtiens qui vous connaissez Paul pour garder comment que pour nous retirer Haïti dans sa là. Et je dis, si que nous avons conscient, je dis, si que nous avons d'accord que Haïti pas qu'on doit périr, Haïti, c'est pour nous lier. Et faut nous coller les épaules pour que nous tirions bien dans ce lit-là. La fête carré a plaigné, la fête carré a dénoncé, la fête carré a dit que le pays n'a pas envie de vivre, le pays n'a pas besoin de vous la donne. Je dis que c'est un engagement qui vous prend, et c'est chaque Haïtien pour comprendre que, dans quel niveau qui a engagé en Haïti ou à l'étranger, pour retirer Haïti dans ce lit-là. Parce que nous sommes capables de garder bien comment que. Je dis, ancien président et actuel candidat à la présidence républicaine Donald Trump, avec toute équipe li, n'est qu'il a lancé une véritable campagne discrimination contre Haïtiens. Et je dis, en plus, on a posé question, est-ce que si équipe Trump n'est arrivé président, qui parle sort haïtien? Qui parle sort immigrant haïtien aux États-Unis? Qui parle sort l'immigrant aux États-Unis? Les qui a regardé, mais la façon que Donald Trump lui-même avec équipe client, il a avancé là, je dis, il a senti que, eh bien, si monsieur est arrivé président, il a vraiment mettre États-Unis en bouleverse et pays a pris la tête en bas. Qui donc des Ivenes, situation sa yo, action sa yo, encore montrer que et doit motiver haïtien qui doit prendre engagement la caillou pour faire Haïti mais on notre pays, pour faire de pays ça on notre nation, pour faire de pays ça mais qui de côté pour capable vivre et c'est là qui est capable retourner en Haïti des Ivenes. En même temps tout désir dans question sécurité. On apprend que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ensemble avec Antonio Guterres, négocie au palais, mais il a essayé d'étudier stratégie pour comment que il est capable de transformer une mission multinationale en mission soutien et la paix. Ça veut dire que une mission au ministère en Haïti, ça veut dire une mission onusienne en Haïti. Est-ce que monsieur Pral changer mission multinationale en mission et une mission onusienne? C'est des questions qu'on a posées des Ivenes, mais quand même déjà. Anthony Blinken mettait avec Antonio Guterres, monsieur déjà chita parlé pour que comment on capable arriver mettez ça nilé et ben travail sous transformation mission ça en mission onusienne. Des Ivenes, bon certains de Morales qui sont gang armés. Monsieur va la naissance li, journée qui c'est vendredi 20 septembre nan, et c'est commissaire gouvernement Miragouana Jean Ernest Muscadet, c'est lui même qui va monsieur mon EPS li des Ivenes qui nous va analyser, nous va questionner ça yo et nous va venir avec ça le bilan sans premier jour PM Garikoni li présenté. Et dans bilan ça, monsieur parle de questions élection, de questions insécurité, nous va garder ça yo, nous va analyser des Ivenes parce que ça m'était notre yo besoin qu'on exactement ça gagner comme information mon frère. La situation est pays a pratiquement un gros problème là-dedans. Parce que longtemps des gouverneurs banque centrale Ronald Gabriel qui présentait 59 banques commerciales. OK? Ou bien et petit embranchement que vous gagnez et qui vient pour avec sur la banque qui a mal fonctionné. Elle fait quoi gladan qui vandalisé. Gagnan yo qui pillé au soir yo fermé net. En plus de ça, gagnez 122 milliards de gros de prêts que yo accordé qui dans difficulté pour récupérer. Tant que si t'as pensé donc regarder sous petite rivière de l'Antiboïte la Camoin, coopérative de paye à crédit dans rivière qui vandalise, et qui te geta fermé déjà, qui bon paquet l'argent, qui de yon comme prek el papka récupéré. Ça veut dire, ensemble sa yo, y a gen gros conséquences sous pays. Yo avance, les personnes. Yo, Ronald Gabriel kap parle toujours. Li di gen 307 compagnies. Yo di ki aplite pour capable rembourser dette yo, et puis gen 967 ti moyen business tout petit que yo vandalise, et puis yo vin dysfonctionnel à cause abi nek exam yo gouverneur BRH la qui explique ça. Je veux dire, on va trouver une situation comme ça côté moyenne entreprise yo, côté banque commerciale yo qui dans ville de province qui dans capitale là pas ka fonctionner. Il y a connait des moments vandalisme, il y a connait des moments pillage parce que bandi exam c'est eux qui fait la loi, la police perdue ça te gagne comme puissance comme pouvoir sous territoire. Eh bien, la situation de Bagala est extrêmement difficile. Qu'il y a, qui l'autre question qui nous devons poser tête? Mais c'est le département d'État. Département d'État qui pratiquement les États-Unis,
OK, qui tout temps dit il a continué répéter dans engagement qu'elle gagne envers Haïti pour travailler pour une stabilité. Et je dis même département d'État ça décider demander citoyens yo pas voyager dans pays d'Haïti, elle toujours kembe alerte maximum 4 sur Haïti parce que gen crime, gen kidnapping, gen braquage, gen vol armé k'ap fèt an dedan pays a. Et même gen des doutes qui blayi pa gen sûreté sous aéroport international tout Saint Louverture parce que dit gen activité nek exam k'ap fè nan périmètre ça. C'est pour ça qu'elle mandé ensemble ressortissant ou bien employé yo k'elle gen, ambassade américaine mandé yo, c'est à travers convoi officiel pour yo déplacer pour y aller dans aéroport international tout Saint Louverture. Est-ce que nous y veut comprendre? Est-ce que nous fait déduction dans ça qui a dit yo avec dans ça qui a posé comme action yo? Parce que yo dit nous que yo gagne une mission qui est les missions multinationales que les États-Unis dit investir là-dedans. Avion US Force Persistant atterri dans aéroport international Toussaint Louverture qui ça a dit yo poté moyen qui cap permettre que la police ta efficace, qui cap permettre que la police a rentré dans combat contre bandits terroristes qui ont dedans pays. Moyen qui a venu pour permettre que force l'armée d'Haïti li réopérationnel dans dimension qu'elle était dans temps avant. C'est permettre que mission multinationale support soutien avec la police là efficace dans cadre travail. Mais là ouais même moun sa montre que yo crainte yo peur. Li ta droit dire yon bagay nous même comme peuple. Li ta droit dire ça qu'a décrit là blesse personne, li malheureux et triste en pile, nous besoin très prudent. Nous même comme peuple nous besoin prendre disposition. On dit que opération la police y a multiplié, y a intensifié dans divers quartiers dans région métropolitaine là. Si n'a regardé dans Badelma, si n'a regardé dans Solino, si n'a regardé dans Fort National, si n'a regardé dans Belet, Cité Soleil, la police dit y a frappé. Quoi de bouquet, y a une intervention qui fait. Mais peuple qui a souffri, quitte ça qui est dans pays a ou bien dehors pays a, y a c'est pas satisfaction ça. Ou a d'accord que c'est pas satisfaction parce que y a pas qu'à déplacer des périmètres pour y aller non périmètre. Je dis, fin d'année n'a pas avancé, ok? Nouvel an n'a pas avancé. Si la qui, États-Unis d'Amérique, li envie vin la kaili, li sot perdi été a, li pa kab rentre la kaili. Pour lui même jusqu'à présent, c'est grimace qu'a fait là. Premier ministre a annoncé que moyen vini, pas bon pa paquet, by police nationale là, by force la médaïti, mais gen des zones qui a questionné. Tant que moun ki dans le département la Tibonite, je dis, y a demandé, la situation, est-ce que Premier ministre, directeur général de la police, yo pa gen connaissance de sa kap passe dans le département de la Tibonite, je dis. Parce que si on dit ensemble matériel, yo vini pour renforcer la police. Parce que ça que Premier ministre dit, dans le bilan qu'elle fait, pour 100 jours, lui-même avec le gouvernement, là. Je dis, moun dans le département de la Tibonite, deuxième plus gros département pays en termes de population, ok? Eh bien, lui trouve une situation très difficile. Et porter que le département de la Tibonite gagne, c'est pas comme ça qu'il doit le traiter. Et je dis, elle vient faire nous comprendre. Ça qui a dit qui fait quoi que nèg yo non bataille contre production nationale, eh bien yo kembe département la Tibonite avec question insécurité qui gen là. Chef CSPN croisé bras ou pas dire sur question et puis yo dit qu'il a renforcé la police. Et en pile la police yo sou attendé et SPNH 17 Gary Jean-Baptiste ou après gen des policiers qui pratiquement trouvent dans des situations très difficiles. Yo gen des recommandations que yo continue à faire. Sous tant de responsable Sinapoa ou après gen des recommandations que yo continue à faire. C'est vrai que les policiers ont engagé dans quatre batailles. Pendant, nek qui vini là, qui vient en support avec la police, il a dansé tout badou, il a bien mangé dans la base. OK? Pas de rien qui veut faire. Je dis, nous besoin de prendre responsabilité. Ce soir, nous d'accord, il y a des gens qui viennent aider nous. Il y a pas nous aide là. Nous coordonner aide à nous dire qui sont qui ont nous aide là. Si officier kenyan yo, avec Jamaïque qui ont dans le pays à la blesse personne, si nous venons sous bataille, pour résoudre le problème de sécurité, tout bon vrai, ou tout. Perez, tout suspense qui est là, je dis. Hein. Ensemble, bureau d'administration publique, qui pas calme dans l'espace, yo ta dwe geta dans l'espace. Est-ce que c'est chaque fois que Dr. Gary Koni, le premier ministre, a descendu dans la ville, ou après que présence la police li fait remarquer, montre que quelques activités qu'a fait sous la forme, et puis koulale, balgon continue à péter. Bilan sans joie, les meg, en pile moun pa wè en là-dedans, en pile moun pa wè clé là-dedans, de fait, nous allons quitter ces mounio qui tendent des personnes. À partir de yo, il a dit qui ça yo ouais, qui ça yo comprenne dans le bilan que le gouvernement, Dr. Koni a présenté pour 100 jours que vous passez dans le pays. Malgré pas de sécurité, yo parle de élection, yo dou adelante. Parce que le ministre des Finances, avec l'économie, Kathleen Florestal, lui dit que c'est 700 millions de goudes que vous mettez disponibles là.
pour question KEP pour organiser l'élection. D'ailleurs, nous voyons qu'ils ont marché pressé. Ils ont déjà metté et KEP au campé avec 7 membres côté le marqué des membres. Ils n'ont pas qu'à même retenir l'organisation arrangée parce qu'ils ont fait piquer devant. À partir de ça, ils ont cagé dans le fond comme. Est-ce qu'ils ont continué à faire pays comme ça? Et autant de l'argent et renseignement, services d'intelligence, l'argent a blanchi. C'est tout le monde qui a blanchi. Tout le monde a fait comme par ou dans façon par ou dans sens par ou dans dimension par ou. Pour faire un prêt à la, chaque nègre décide de faire bagaille. Chaque nègre décide de prendre direction. Président conseil, Edgar Leblanc fils, il était là, Kaili, dans Miragouane. Il est allé dans l'espace côté Mounio, il est mort, dans l'explosion, il a déposé Jeff Flair. Il a déposé Jeff Flair dans la mémoire Mounsa. Cependant, je dis, ou t'as dit, ouais, Edgar Leblanc fils, qui t'a dans la tête, une délégation, qui pourrait aller dans le pied Papa Nation, qui a déposé Jeff Flair. Mais malheureusement, l'année fraîchement, la joint normalement, moun qui était mort dans l'explosion. Ça veut dire, c'est un gouvernement qui n'a pas coordonné. Chaque nègre a tenté de faire affaire par eux pour y aller la visibilité de l'union. Et là, ça, le peuple a pratiquement pas dans rien, Blaise Jason. Et le bagage encore des événements, ça dit à tellement qu'on parle de vérité. Nous avons dû être capables de jouer et conseiller là, parce qu'on essaie d'étape tout le qui est ce tape délégué, qui devrait déposer un jefflet. Et bon, comme on a parlé de chair de mars, nous avons dû déposer un jefflet en bas pied Papa Nation. Pour que. Pour vraiment, dans l'occasion de 260 combien d'années anniversaires, mais pour avoir une valeur ça. N'est-ce pas fait ça? Égal, mon fils, mais il y a problème, non? Il faut la salir, mais moi, mon qui mourit. Comme monsieur Sénégal, n'est-ce pas? Ça, c'est n'importe qui la blesse. Bon, exactement. 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 Le premier encore, ministre, premier ministre, dans la date, là, levé le parti. Non, lui-même. Bon, attendez, on ne va pas comprendre. On ne va pas désir. Est-ce qu'on connaît Gary Kony Pichef à Sénégal? Non, mais c'est ça, Ible. C'est ça que je dis, monsieur, levé le parti. Je veux dire, si nous avons parlé de pays d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines représente, ça le représente. Ou quel que soit le déplacement que Gary Kony a gagné, je veux dire, cette personne, il doit sacrifier pour essayer de regarder le gouvernement et à tout le monde, il doit débarquer pour t'aller dans le pied, Papa Dessalines, pour t'aller honorer 266 ans, ok? Année naissance employeur. Je veux dire, ensemble, pays qui a gardé ou qui pas jamais respecté des salines parce que des salines te goûtent pour te faire indépendance, et bien je veux dire, on continue à servir avec position ça, ou on montre que des salines pas fait un pour Haïti. Le bagage m'a tout désir. L'aime du gars qui est chef par Sénégio, on a des désirs. Nous dit que, et qu'on conseil résidentiel, et le gars le fils, c'est coordonnateur de conseil résidentiel. Si Abgain 79e Assemblée générale des Nations Unies, qui est-ce qui doit prendre la parole dans Haïti? La présidence. La présidence. La présidence. Par contre, si vous comprenez ça bien, ça m'a dit. Qui est-ce qui doit prendre la parole dans Haïti dans l'occasion la présidence? On va dire ça. Conseil, ça, ou là, il joue la présidence. Il joue la présidence. Comme c'est Edgar Leblanc fils qui est même actuellement qui a mandat par là, non, mais là, c'est lui-même qui est censé sous tête cap coordonner tout le monde. Là, nous avons 2 juin, Edgar Leblanc fils dans la délégation. Hein, et c'est lui-même qui t'a dû. Bon, bah, on est tout, s'il ne va pas le rejoindre, bah, on est. Mais, quelque part, vini pour vini, tout le monde est capable de comprendre, capable de dire que c'est Kony qui est capable de prendre la parole sous la tribune des Nations Unies dans Haïti. Elle dit, Kony, c'est lui qui chef, Kony, c'est lui qui boss des boss négio. Parce que c'est Kony qui est plus bon blanc de elle. Malgré que c'était négio que tu choisis, Kony. Non, elle n'a pas choisi Kony. Elle n'a pas choisi Kony, mon cher. Ça veut dire là, négio que tu choisis Kony. Elle est fou même, désir. Elle n'a pas choisi Kony, mon cher. Elle est fou même. Mon cher, en dernier, on est dans des Kony, on est dans un bilan 100 jours là. Et puisque 100 jours, c'est 3 mois, je dirais que c'était 16 mois. Bon, en tout cas, nous allons regarder pour nous. Agenda, conférence nationale, constitution et élection. Faut me dire que le gouvernement s'est déjà attelé à cette tâche. Le conseil présidentiel de transition a déjà publié le décret du 17 juillet portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la conférence nationale. L'autre bonne nouvelle, c'est que les membres du comité de pilotage ont été installés depuis le 23 août dernier. Et dès leur installation, nous avons immédiatement commencé à travailler en étroite collaboration avec eux. Nous sommes en train d'évaluer les défis et pour voir comment nous allons répondre à leurs besoins et planifier les activités, y compris bien sûr les assises de la conférence nationale.
Alors, l'un des principaux objectifs est évidemment de définir un calendrier qui prévoit un référendum constitutionnel entre février et mars au plus tard. Et en parallèle, le Conseil présidentiel a entamé le processus de sélection des membres du Conseil électoral provisoire. Et ça, évidemment, c'est une étape cruciale pour garantir des élections transparentes, qui est l'un des grands objectifs de la transition. Le Conseil présidentiel de transition a lancé un processus en août 2024, conformément à l'accord du 3 avril 2024. Et les membres proviendront, comme ça a été prévu, des secteurs signataires, et la majorité des secteurs ont en fait déjà désigné leurs représentants. Donc, en termes clairs, l'une des choses les plus importantes de la transition, la mise en place du Conseil électoral, qui est vitale pour réussir la transition, comme je viens de le dire, au 7 février 2026, est pratiquement déjà en place. En attendant la formation complète du Conseil, nous avons entamé des actions préparatoires pour 1. Évaluer les capacités opérationnelles et fonctionnelles de toutes les structures qui seront impliquées dans les élections. 2. Nous avons engagé des experts techniques pour nous aider à réfléchir sur des options en matière électorale et nous assurer qu'au moment venu, nous pourrons effectivement livrer la marchandise. Et 3. Ceci est très important pour nous. Nous avons commencé à faire l'inventaire des besoins du Conseil électoral pour que dès son arrivée, nous soyons en mesure de les accompagner, nous assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de matériel pour pouvoir avancer très vite. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer la situation sécuritaire actuelle. Les violences perpétrées par les gangs armés, en particulier dans les départements de l'Ouest et de l'Antibonite, représentent un obstacle majeur à la tenue des élections libres et surtout des élections équitables. Évidemment, nous ne pouvons pas accepter ça, d'autant plus que ces zones représentent 53% de l'électorat. Donc, nous avons sollicité l'aide de conseillers. Nous sommes en train de regarder les options, mais je peux déjà vous dire que nous sommes confiants que nous allons pouvoir aller de manière résolue vers des élections auxquelles nous nous attendons à ce qu'une majorité de la population participe. Maintenant, grâce au soutien de gouvernements, des partenaires, nous avons établi un fonds commun pour le financement des élections. Et je peux déjà vous dire que nous, en Haïti, nous avons contribué plus d'un tiers du montant qu'il faudra pour pouvoir à la fois assurer l'évaluation de la Constitution et aller de manière résolue vers les élections. Nous avons estimé qu'il nous faudra près de 120 millions de dollars pour financer ce processus. 120 millions de dollars, parce que là, allez-y. 120 millions de dollars. Ok. Mais nous sommes assez confiants que nous allons pouvoir mobiliser ces ressources. Qui ça nous fait pendant 100 premiers jours, soit fait élection constitution? Eh bien, compatriotes, moi, mission noire, c'est mettre sécurité dans le pays pour référendum sous constitution avec élection faite dans l'année 2025 Cap et puis remettre pouvoir par le nouveau Parlement avec le président qui doit prêter serment 7 février 2026. Pour ça, nous prenons toutes dispositions nous capables pour sa fête et déjà Conseil présidentiel transition, rivé mettez campé Conseil électoral provisoire. Dans 100 premiers jours, le gouvernement vient inversé 700 millions de gouttes dans le fonds qui pourra financer l'élection. 700 millions de gouttes, ça vient compléter le fonds qui est là déjà. Pour assurer nous que l'État haïtien a pris responsabilité élection pâle. Oui, nous allons chercher partenaires, mais avant tout, faire élection, c'est responsabilité par nous, et nous avons peut-être nous les moyens pour que ça soit fait. Le gouvernement a mobilisé toute une équipe experts pour accompagner KEPA, pour ne pas manquer en rien d'assistance technique avec besoin, à toute l'autre qualité d'appui qu'il y a besoin pour y aller vers l'élection. Compatriotes, moi, m'a profité à annoncer nous, m'a parti pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'a fait New York. Moi, je joins en pile invitation pour continuer à expliquer l'urgence situation pays. Côté communauté internationale, là, t'es sous-estimé en pile gravité crise humanitaire, crise sécuritaire, à crise économique là, et évidemment à crise sociale. M'a
tourner une deuxième fois pour m'expliquer pour qui ça et qui Jean Haïti doit changer de stratégie pour lui jouer une sécurité tout bon. Moi, je vais continuer à faire plaidoyer pour la présence de l'armée d'Haïti dans l'opération. Pour la police jouer l'autre qualité matérielle à examen qui est plus adaptée. Moi, je vais continuer à défendre la feuille de route du gouvernement. Côté nous déjà commencé à adapter financement nous joignons à nouveau réalité ça qui plus difficile jodi a ministre affaires étrangères qui déjà l'autre bord a dans les délégations là côté nous pral rencontrer plusieurs gouvernements étrangers pour nous remobiliser communauté internationale là la tout appui que le gain pour le bano surtout la question feuille de route ministre comment dire moi yo. Moi, pas là, je dis, pour me faire une promesse que le gouvernement n'a pas de la réalité, nous vivons là, difficile, et puis défi au grand pile. Mais moi, je voulais assurer nous, une seule bagaille. Depuis le gouvernement prend le pouvoir, le gouvernement m'a dirigé, a travaillé la journée pour la nuit, pour améliorer les conditions de la vie, chaque haïtien à chaque haïtienne. Moi, je dis nous que route la voie longue, que l'obstacle est en pile, mais n'a pas avancé et nous pas fait battre. Dernière semaine, la police a clamé faire un pile progrès sur bandits. Zone qui était abandonnée, je dis, nous commençons au fur et à mesure de prendre le contrôle. Monde qui était quoi intouchable, que nous avons privé sur eux. Chaque étape nous fait, c'est une étape qui mène nous dans une plus bonne avenue. Nous étapes qui mènent nous plus près côté de l'Alia. Nous déjà fait quelques progrès et n'a fait plus toujours. Ça pas facile et à bien moment côté n'a pas senti nous voulait décourager. Mais nous devons songer que l'histoire peuple noir c'est une histoire de résilience, courage et détermination. Nous déjà passé dans tempête qui plus violent et nous toujours levé campé. Nous t'es confronté à l'adversité avec un courage qui inspirait le monde entier. Et c'est l'esprit ça, héritage dans cette mur, que nous devons continuer à honorer. Chaque effort, chaque sacrifice nous fait aujourd'hui, c'est pour petit nous, c'est pour génération qui va venir. Qui donc, en kembe main dans la main, en unis nous autour de vision, yon Haïti mieux, yon Haïti qui campe, yon Haïti côté chaque citoyen qui va vivre la dignité. Sécurité avec l'espoir. Pas aucun doute que ensemble nous cassons surmonter défi ça. Ensemble nous pourrons bâtir une nation qui plus fort, qui plus juste à qui plus résilient. Voyage nous pourrons faire ensemble là pendant 16 mois ça. C'est pas un course 100 mètres, c'est un marathon. Et moi certain que avec support nous, courage nous, détermination nous, n'a franchi ligne finale là. Plus fort et plus unis, passez jamais. Merci et que bon Dieu bénisse Haïti. 80% zone métro. Là, c'est Maître Carlos Hercule, à tout de suite après et PM Gaïkouni, c'est ministre Justice et Sécurité publique, Maître Carlos Hercule. N'a fait dans des tout et après ça, n'a fait, moi, Désir, n'a fait rallye, mais n'est venu. Politaine pour au prince là, sous contrôle gang. Ça veut dire qui ça? Gang yo. Ils ont occupé en pile espace pendant que y a commis toute mauvais acte qui gagnait tant que viol, assassinat et pire encore ils ont metté ça au les postes de péage. Gagnait pour pipiti 50 installations police nationale tant que commissariat, sous-commissariat, antenne qui endommagé, soit ont mis du feu là-dedans ou bien ils ont vandalisé. Et yon nan bagay ki vraiment fort, c'est que police nationale là, li dépourvu de moyens, ça veut dire équipement qui doit permettre li faire face avec gros actes, banditi sa yo, tant qu'aux armes, munitions. On l'autre problème encore, c'est sa yo les déperditions. Parce que grand pile nan policier yo qui voyage, parce que yo bénéficie de un programme humanitaire, gen la dan yo ki kite sa, et gen lot, yo oblige mette yo
dehors pour mauvais comportement. Nous comprenons que l'héritage là, il est en pile. Si nous passons sur l'autre axe, qui c'est état de droit, justice, depuis l'année 2021, eh bien, palais de justice n'a pas un côté pour loger, puisque bandit dans bicentenaire météo de yon. Ça veut dire, palais de justice, Port-au-Prince là, c'est la descente qui va le faire dans le tribunal du travail. Palais de justice, quoi de bouquet, c'est la descente que vous allez faire, méritable à le faire. Donc, vous comprenez que l'accès à la justice, la distribution saine de la justice, sont bagage qui était très hypothétique. Le nous arrivé dans le ministère de la justice, eh bien, trois jours après, nous avons accueilli par une grève qui fait que son dysfonctionnement de la justice, qui fait que taux de détention préventive prolongée il continue à monter mais longue. Après 100 jours que nous gagnons là dans le ministère de la justice, qui ça qui est arrivé à réaliser? On nous dit dans question sécurité pour l'état colmater brèche là, eh bien gagnons arrêté instaurant l'état d'urgence sécuritaire que conseil des ministres l'en prend. Eh bien arrêter ça, ils sont outils qui baillent autorité yo moyen pour capable répondre avec crise là. Ça te prend petit temps, mais le rive a tout moun wèl. Opération sous Belè, opération Solino, opération nan Rue Saint-Martin. Gouvernement te fait en pile j'effort pour que commande qui te fait sous ancien gouvernement, eh bien yo atterri. Là m'a parlé de 20 blindés qui étaient commandés depuis novembre 2023 et c'est finalement que yo arrivé et yo porté un gros support by force de l'audio dans opération y a mené souterrain. Et yon nan bagay qui vraiment déterminant c'est le ou prendre en compte c'est première fois côté que PNH avec FADH main en main y a fait des opérations. Ça veut dire qu'il y a une cohérence dans le cadre d'intervention qui fait dans le dernier moment ça yo, par force publique. Le gouvernement a nécessité pour bailler un accompagnement à la famille. Comme je disais déjà, nous avons 261 000 familles, ménages, qui ont reçu 20 000 gouttes à travers 7 départements, hormis le Grand Sud, c'est-à-dire le NIP, département du Sud et aussi la Grand-Anse. Mais actuellement, le gouvernement a réfléchi pour comment pour le tourner dans le Grand Sud encore, renforcer l'accompagnement que vous recevez déjà. Puis, le gouvernement baille à travers la distribution du livre unique à 2 millions d'ouvrages pour 2 millions de personnes à travers le pays. Plus, on a distribué à l'école le manuel d'orientation de la réforme curriculaire. Vous connaissez le ministère engagé dans la réforme du curriculum. Pour bailler l'école là en l'autre sens, en l'autre orientation. Et surtout, ça me dit, gouvernement encourage nous mettre en œuvre la politique de l'intervention psychosociale. Dans les écoles, bon colonne et professeurs, parents, team, directeur de l'école, qui étaient victimes de traumatismes, n'a fait des interventions psychosociales, c'est-à-dire des psychologues, n'a déployé à travers le pays, pour tenter de faire un travail de deuil, d'écoute, de compréhension, de gestion des traumas. Et travail ça, les combiner avec tout volet et pédagogique, et didactique, ben nous l'essentiel. Dans le sens du gouvernement, nous pas fait miracle parce que des contraintes, mais nous fait l'essentiel pour permettre au gouvernement atterrir auprès de la population, pour que la population saisisse son affaire. Désir, au grand mot frère. Pour 100 jours, nous pas fait miracle parce que des contraintes. Blaise, on met tout noter ça. Nèg yo ap kembe question contrainte là pour jusqu'à l'infini et pour tout ça que yo gen pour yo fait que yo pas gen ta fait y a adressé y a dit ces contraintes qui fait yo pas réaliser. Moi comprendre fort et mal. L'aime tendez premier ministre docteur Garigoni qui parlait de la Tibonite c'est en termes de quantité monde qui cap voter à département ouest tout simplement. Ça veut dire ouais question problème pour aborder problème insécurité dans département la Tibonite là, on pas vraiment quoi
que ça dans agenda premier ministre, mais c'est l'elle songer que élection pour organiser bien moins Sénégal Tibonite. L'aime pratiquement ouais modèle comportement ça, lui permet que pas questionner. Est-ce qu'il pas bon bagage qui caché d'elle? Est-ce qu'elle pas les intérêts qui caché d'elle? Je veux dire mobilisation qui gagne dans département de l'Ouest pour cap rétablir sécurité ou t'as besoin aussi même mobilisation ça contre gang yo qui dans département la Tibonite. Mais c'est pas ça qui a fait plaisir. C'est plus terrain que gang après dans le département de la Tibonite. Pendant la réouverture des classes a avancé, question élection a avancé, et PM n'a parlé de moyens considérables qui viennent joindre la police. Il parlait de moyens considérables qui viennent joindre la médaille. Il parlait de moyens considérables. Les paysans mio qui viennent là dans quatre missions. Et est-ce que nous cabrete chita? Nous prenons un bel discours, nous prenons un bel dialogue toujours. Je dis en blessé personne, 10 pour yon, pas de place yon, c'est pied à terre, poser action, c'est yon qui gen place yon. C'est ça que la population a pris de temps. Tant que Jean-Premier ministre a parlé, il dit qu'il y a un ensemble d'interventions qui a fait, qui portent des résultats, qui permettent de quelques zones qui ne peuvent pas fréquenter, qui fréquenter, mais yon fréquenter Premier ministre, c'est chaque Premier ministre qui a mis la terre, il dit ça là déjà en blessé personne. Je dis en majorité moun yon, non pas de choses. Ou jeune moun yon qui dit oui, et non son pas de choses, yon essaie d'autres font passer, yon pas qu'à dormir. Parce que dans le cimetière de Port-au-Prince, bandits ont mis des bases. Ils ont varé sur mon lieu dans la nuit. Ils ont fait exaction sur mon lieu dans la nuit. Est-ce que, ensemble, discours, évaluation, jusqu'à présent, tu as dit que le bilan paraît, tant que son bilan paraît zéro. Son bilan nul, qu'il y ait, mais personne, spécifiquement, directement, il y a un ministre qui a dit que ça a fait, ou après qu'il y a un chita sous base, promesse. Comment tu as compris? Il y a un ministre de justice et de sécurité publique. On lui parlait dans la période côté APC, donc te montrer la situation. Et puis, c'est plein, il vient à plein. Comme ministre de justice, il dit que, et palais de justice, de Port-au-Prince, il pratiquement c'est la descente que vous va faire. Même passé dans le bilan, c'est venu que le ministre a dit, mais qui ça qu'il fait? Nous récupérer palais de justice, Port-au-Prince. Mais qui ça qu'il fait? Nous récupérer ensemble espace qui lié avec la police qui est bandit prend. C'est ça, ok, mon besoin de nommer mes négos. C'est pas fini de dire, mais qui ça bandit fait, mais qui ça bandit fait. C'est qui ça nous fait pour nous récupérer? Est-ce que nous récupérer déjà? C'est une nouvelle, ça, que moun a prétendu dans mes autorités. Leur chef ou pas, il doit appeler. De vous tomber dans plein, c'est augmenter ou augmenter sa capacité. Groupe qui dit, c'est adversaire. Je veux dire, population déjà, pas de confiance dans nous. Messieurs, qui dans le gouvernement ça? Quel est dans le conseil présidentiel de transition? Nous n'avons pas de confiance en négo. Il y a ces deux groupes qui viennent là, qui viennent à fond si comme. C'est des conseils. Et que la communauté internationale a déposé là, il y a dit, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour pas faire. Mais qui côté au cas agi, mais qui côté au pas cas agi. Et ensemble, côté qui a agi, c'est côté, normalement, qui pas trop dans l'intérêt de la population. Je dis, sous tant de quantité de brigands que nous avons fait, dans ensemble opération, la police a mené, il paraît hypothécaire, il paraît dangereux pour la population. Ok? Parce que, nèg yo arrangé pour gagoter question service d'intelligence. Li pa présent vrai. Li pa fait travail là. Mais même blessé personne passé 100 jours. Bilan 100 jours ça ou jusqu'à présent, ouais nèg yo c'est dans vire langue, y a demain qui ça qui tenté et li fort et mal, lo jeune un premier ministre, lo jeune un chef gouvernement qui chita sous bilan pour la parler des aides alimentaires. Hein? La parler des crises et humanitaire, la chercher des supports, la chercher des aides qui a sorti d'autres mains, qui a sorti d'autres parts pour venir là. Et ils ont essayé de te parler de 600 000 familles qui ont dû agir pour porter sur des solutions pour aider. Hein? Aider qui j'en ai aidé? Nous avons porté 20 000 gouttes de bayou, nous avons porté 50 000 gouttes de bayou. Qui ça 20 000 gouttes à 50 000 gouttes? Café pour un groupe de monde qui est pratiquement dans équipe famille d'accueil ou bien qui n'a pas quelque espace? Qui ça nous a fait pour vous? Parler de mobiliser plus de ressources dans le trésor public là pour résoudre la crise humanitaire qui va arranger pour résoudre pour collecter ressources ça 700 millions de gourdes que le premier ministre a annoncé de la situation ils ont déjà collecté à travers le gouvernement pour y aller organiser l'élection. Alors que cette élection a coûté 120 millions de dollars. 120 millions de dollars. Est-ce que l'élection est plus importante? Je dis oui, l'élection est importante. Mais question sécurité, nous ne pouvons pas abandonner le blesse. Nous devons avancer sur question sécurité. Et c'est sécurité pour abandonner l'élection, blesse version. Moi-même, je prends le temps, je prends le temps, et même j'avais un peu les amis, qui ont même pris le temps, je prends le temps, PM Gary Kouni, Carlos Hercule, ministre de justice,
étant des ministres éducation, professeur Antoine Augustin. D'abord, et ça pas étonné que dans bilan 100 jours Gary Conin gouvernement l'a dirigé hein, t'a présenté mon bilan comme ça. Il va étonné. Mais qu'il y a ça mon a dit entre ça nèg yo présenté comme bilan 100 jours hein, avec réalité hein, n'a qui ça pour que peuple haïtien de quoi. Nan ki sa pour ou même qui dans diaspora k'ap gade nous là ou de quoi. C'est comme ça m'le dire. Nan ki sa pour quoi? Nan ki sa ndwe quoi? Parce que je dis en là ça que m'le ko comprendre c'est finalement ouais. Ça m'a dit k'ap gade déranger tout le monde. Mais moi senti gen un jet bluff k'ap jouer là bon côté équipe qui là. Gon jet mesdames k'ap joué à la fois bon côté gouvernement koninan et bon côté kapete yan. Et messieurs dames yo y a fait un jan là pour yo montrer que yo te gen volonté yo te vle faire ça yo te vle faire si mais à cause de telle situation you vin pas ka fè ça, you vin pas ka fè si. C'est comme ça me dit. Mais je dis hein, attendez, KIP a monté, qui t'a dû monter avec 9 membres, il a décidé d'y mettre 7 membres en attendant. Il y a deux autres secteurs qui t'a gommé dans mitan yo, droits humains et secteur femme, yo ka remplacer yo par deux autres secteurs, soit la jeunesse ou bien bah konnen sa li. Ça qui passé. Ça qui t'a montré que KIP ça qui a monté là. Il tout monté sous base de division. Il tout monté sous base nek ça pour préparer élection pour petit groupe pal pour secteur pal. Parce que à part de secteur la presse, l'église catholique si m'pa trompé qui pas de protestation. Après ça, tout l'autre secteur qui protestation. Tout l'autre secteur qui réagit. Et c'est la presse, oui. M'attendez comme si, ah oui, dis bon, ok, nous pas bagage avec des osiers. C'est m'attendez comme ça. Mais après ça, tout l'autre secteur net m'attendez, qu'a plein. Donc je dis, hein, ça me dit qu'il comprend. Moi-même, j'ai toujours dit, moi, avec des Evenes. Priorité nous c'est pour gagner élection. Pour gagner élection, pour gagner la paix dans le pays. Pour renouveler personnel politique là. D'ailleurs, c'est pigou obligation que fait avec un pouvoir de transition, c'est organiser élection. C'est comme ça me dire. Pigou obligation faite avec un pouvoir de transition, c'est pour organiser élection. Ouais, PM connait tout. 7 février 2026, t'as dû gon président, t'as dû gon un pouvoir légitime, un pouvoir qui élu, qui prête tête pays. Le 7 février 2026, t'as dû gon sénateur, député, magistrat, kazek, délégué de ville. C'est vrai, faut mettre machine électorale en branle. Mais si pas gon sécurité, c'est comme quoi m'da dit, machine électorale ça, il pas veut dire rien. Il va représenter rien pour moi-même. Depuis pas gagner sécurité, ou mettez garder ou te mettez ba garder te gagne 9 KIP, 9 conseillers. Ou mettez ba tout moyen nécessaire. Ou dit pas gagner sécurité, pas gagner aucune élection qu'a fait en dans pays. Depuis pas gagner sécurité, pas gagner aucune élection qu'a capable fait en dans pays. Ça moi dit et moi redit encore. Depuis pas gagner sécurité, pas gagner aucune élection qu'a capable fait en dans pays. Même. Et je dis, hein, est-ce que ça a fait là, on a dit, les moutes qui a bon sécurité généralisée dans le pays? Est-ce que jamais les groupes qui a bon sécurité tout à capitaine dans le pays? Moi-même, moi doute très fort. Si c'est sous jamais les groupes qui là, si c'est sous jamais les groupes qui là, avec question ça.
En tout cas, désir, bon gade, bon vina Reginald Dumé, et Peto Talendye sa, monsieur Kapale, concernant, j'en la parle de action PM Gary Kouni. Je dis à nous besoin monde qui capable réunir l'État. Nous besoin monde qui capable abonner toute instance qui vient dans l'État. Nous bouquer avec monde qui fait ça. Nous bouquer avec Gary Kouni qui a tourné en haut, qui va comprendre rien, qui dit si l'État prend le pouvoir, ce n'est pas nous qui relève. Même j'ai accepté déjà. L'État prend le pouvoir. Ce n'est pas nous qui avons offert, c'est eux qui sont capables. Je dis à vous, c'est moi, nous toujours en bas tout problème. Yo, même j'ai Gary Kouni qui sont dans le pays étranger, qui te dit, la vie de nous, qui s'est dit, qui va contrôler. Je dis à ministre, ministre intérieur, qui va nous contrôler. Je continue à faire chaud, qui va comprendre rien, qui mettait conflit dans le propre gouvernement avec tout le monde qui a pris ma propre tête. Li. Côté, je dis à problème ça, la situation de la Sibia, Gary Kouni est capable de qui va être jamais capable de faire. Eh bien, ne sens ça, nous avons droit à jouer. Nous disons avec Nisebetea, comme monde qui t'a supposé ou bien comme institution, qui c'est la présidence, qui a une responsabilité, si on même, je ne vais pas réduire ces bagages-là. Si on va prendre responsabilité comme la présidence, eh bien, peut pas ici, militant jeune masse, militant Delma, militant la salle, militant soleil, la responsabilité. À partir du moment où je dis à la même, le moment n'a pas là. Ce peuple-là, en condition 2, ça veut dire mobilisation. Désir, ça c'est Reginald Dumé. Monsieur Sayo, qui décide de parler. Mais tout à désir, en tout tombe non. Avec équipe révélée. Parce que vous-même, tout est dans la rue aujourd'hui. Et vous avez dit que aujourd'hui, vous mobilisez tout contre l'équipe en place. Nan, parce que vous estimez que, nèg yo, ces dames qui là, yo, pas vrai en ici. En nous gardez, entendez, comment que vous-même en soi, yo a mobilisé. Mais désir, moi, go, moi, de, m'pon sent. M'pon sent en 2025 ça. En tout cas, si moi, je fais Noël, Nadi Blaise a décidé de nous ça. Et une obligation pour Noël. Exactement. C'est anniversaire pour elle, tout le monde connaît. Et monsieur ça, ça a été représenté, ça a été symbolisé. Pour ça qu'a fait là, je dis, pour bataille, pour nous être capables de gagner l'indépendance. Nous, tout le monde qui combat. Et Jean-Jacques Dessalines te subi, tout le monde comme ça le subi jusqu'à ce qu'elle même accepte. Il a crucifié lui à cause de nous, à cause des problèmes nous. Je ne dis pas, il faut que nous soyons insensés pour nous pas tenir compte de vos camarades, ça, vos présidents, ça, que nous te connaissons unique, qui passait en un pays ça. Je dis pour nous pas être capable d'honorer lui, pour nous pas être capable de prendre jour ça, pour nous battre toute importance qu'elle méritait. C'est la raison pour laquelle nous, dans la rue, je dis, nous avons honoré journée naissance et en même temps, nous avons profité, même moment ça, pour nous dire bonne cause, pour nous dire bonne vendeur de pays, commencer de 9 bandits qui prennent tête pays à diriger, plus un premier ministre, encore plus mal que l'autre, un bon corrompu. Je dis à nous, voulons mettre fin avec ça. C'est la raison pour laquelle nous venons dire que nous faut que nous laguions les pieds. À bas la corruption, à bas des ordres, vivons Haïti libre, vivons Haïti indépendant, vivons Haïti, côté ces Haïtiens qui sont souverains, qui ont le droit de décider pour lui, pour nous dire à bas Caricom.
Je veux dire, son gros date, oui, Chantel, 20 septembre, date naissance, empereur. Ça veut dire que ça pour vous? Eh bien, ça veut dire un pile bagaille pour nous. Et ça que je dis à nous te dire, nous lançons une marche que nous allons, la marche des braves. La marche des braves, là, ce sont les braves qui sont avec nous. Ce sont les intrépides qui sont avec nous. C'est ça qu'on appelle là. Je veux dire, nous pouvons, le bravio, c'est que pour la RIA. Et nous-mêmes, bravio, nous dans la RIA. Nous ne disons pas qu'il y a des gens qui autorisent qu'à mettre nous dehors. Nous dans la RIA, nous dans la RIA net. Et chaque fois nous disons dans la RIA, nous pouvons, nous pouvons dans la RIA jusqu'à ce que vous laissez à vous quitter le pays. Donc, désir, là, c'est que. Puis c'est un territoire de petit gars qui a menti 700 fois, 77 fois, gars qui a menti. Nous-mêmes, nous dans la RIA chaque jour jusqu'à ce que gars qui a menti la pays. Encore de la commémoration de l'anniversaire et de naissance de l'empereur Jacques Dessalines, parce que lui c'était un brave et nous choisissons surtout de baptiser la marche comme étant la marche des braves. C'est juste pour prouver au monde entier que malgré toute forme de synergie effectuée contre notre évolution, mais nous décidons de décréter la permanence, quelque compliquée que soit la situation, pour dire non, ça ne doit pas continuer. Et peu importe les circonstances, nous allons libérer Haïti avec notre force, avec notre synergie. Donc c'est pourquoi qu'aujourd'hui nous sommes là et comme vous, la presse, vous pouvez le constater, il y a une foule immense qui décide de fouler le sol et malgré les pressions des hommes au pouvoir. Parce que d'ailleurs, ils décident surtout de planifier des démagogies en disant pour l'instant qu'on parle d'une forme, d'une histoire d'état d'urgence sécuritaire. Tout le monde sait très bien, cette histoire d'état d'urgence sécuritaire décrétée par le gouvernement, c'est juste pour essayer non seulement de piller les fonds publics, mais de donner pression également à toute personne qui... et se sent être essoufflé. Et toutes les personnes qui sont asphyxiées de dire non, eh bien c'est juste pour empêcher tout ça. Eh bien nous, aujourd'hui, nous décidons d'utiliser cette date qui est, comme je disais tantôt, la date de la commémoration de l'anniversaire de naissance de l'empereur Jean-Jacques Dessalines comme étant un brave pour dire c'est une marche des braves. Et là encore, je suis par devant l'ambassade du Canada. On sait très très bien qu'est-ce que l'Occident, qui est représenté par ce trio, et les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada. Bon, comme pour l'instant, lorsqu'on parle du Canada, on voit l'Allemagne, on voit l'Angleterre. Donc maintenant, on leur dit tout carrément que là, il y a des filles et fils du pays qui comprennent la nécessité de prendre la situation en main et de dire non. Dorénavant, il faut que les décisions concernant Haïti soient prises par les Haïtiens, avec les Haïtiens, pour les Haïtiens. Et pour une fois, nous demandons à toute puissance étrangère qui se disent être amis d'Haïti et de faire leur preuve, de se mettre aux côtés du peuple haïtien et de comprendre très très bien que pour l'instant, on a affaire à un peuple qui est asphyxié. Nous devons l'ambassade canadienne là pour nous dire que nous pas d'accord à ce qui a passé dans le pays. Nous pas d'accord à ce que monsieur a fait dans le pays. Nous pas d'accord à l'ingérence internationale. Côté, vous comprenez, Haïti son province dans le pays. Comme quoi, ou t'es n'importe où prince, ou a passé l'ordre à Roca pour passer l'ordre à Saint-Marc. Nous disons non, nous disons nous avons une histoire. Nous libres, nous sommes peuple qui est indépendant. Nous sommes peuple qui est dans pile l'autre nation. Yo pas capable à faire toute ingérence ça sur nous. Côté yo mettez nous dans situation si gen moun qui gen famille qui mouri dans nord, c'est relé pas au prince ou pas cal dans nord. Si moun nan gen moun qui mouri pas au prince, c'est pas ca saute dans sud, il pas ca saute dans l'autre côté. Tout récemment là, tout un produit peuple là gaspillé dans forêt des pins, dans fond verrette, dans Oriani, dans Boukanchat parce que pas qu'à descendre près des milliards de gouttes perdus dans l'économie peuple. Là, nous venons garder ça qu'a fait avec CPA. Avec... Je nous dis, je viens d'annoncer la marche des braves. Qui est commandé devant l'ambassade Canada. Et l'ambassade Canada, il veut dire que le pays. C'est Mounsa qui a choisi et porté Gary Conny à nous. Avec ça que les trois groupes là, il y a le Brésil, États-Unis et Canada. Et puis c'est le pays dans trois groupes là. C'est l'organisation qui a formé le pays. Ça. Yo ba nou sacré les CARICOM qui pou vinn ba contrat avec moun yo di que les CP yo qui est dans CPA. Me saisi moi. Et Jean-Gérard Gil qui a pris contrat dans mes blancs tap de dossier yo. Me saisi moi. Et galé blanc, qu'a fait chou blanc. Les petits toi qui font bagaille, la justice toujours prêt pour le faire pour prendre la griffe. Là depuis ces petites nuits là qui font bagaille, yo passé très sous ça. Ça veut dire petite taler malheureuse bagaille de la justice dans pays là. La police là pour litil moun en un moment la gars connait pas on vinn litil. Ça fait ça. Chaque machine bougeant dans la ria, il y a des motocyclettes devant des policiers au marque d'elle. Ça veut dire la police vient pas faire pour peuple encore. L'autre, c'est 114 on malheur fait pour la police connait. Chaque entrepreneur dans pays, chaque bourgeois il y a un numéro chef en direct.
la caillou gros problème pour aller en direct. Ça veut dire nous-mêmes nous vinn pas d'autorisation, ni la police ni la justice. Nous-mêmes n'a demandé gars koni, sou bagaille sou problème justice là. Après la police c'est pour bourgeois ça, nous pas besoin là. Quartier par quartier, zone par zone, il y a pas de sécurité. Moun kamba a bouillo, il y a pas joué une bagage ça. Nèg yo dit encore, yo dit qu'on s'allait pas la poubelle normal. Nous pas joué ça yo, nous besoin yo. Comme nous pas joué yo, nous mandé blanc. Est-ce que c'est lui même qui a tout visé nous? Nous mandé à du Taïwani. Est-ce que c'est lui même qui a tout visé nous? Nous mandé seul bagage. Jeune garçon pas à manger, jeune garçon pas à dormir. Nous mandé gars qui ont dit qu'il s'allait avec nous. Nous même blanc ça. Nous pas les plus. Et je dis à mettre ces fêtes pour général Kizédé et Salut. Nous va venir craser pour les gens. N'a plus gars qu'on chat là et puis pas pas. Nous te dis jodi à ce brave yo qui dans la rue. Désir conclure pour nous mon frère. Ben moi pense que l'important pour le mouvement ça continuer pour montrer avec le gouvernement et la communauté internationale là que toute bagarre par rose tant que j'ai appelé là. Et peuple haïtien, quel que soit à côté nous, nous devons continuer à lever voix pour dénoncer le modèle de gouvernance qui est là parce que ni pas gouvernance peuple, ni rien de chaque jour, nous plus attristés parce que c'est nouvelle mort, nouvelle crime, nouvel assassinat, c'est eux-mêmes qui toujours tomber malgré autant de que la police continue à teke quelques graines, quitte c'est dans Gressier, il y a plusieurs bandits qui tombent, quitte c'est dans Badelma, en pile bandit tombé, quitte quoi de Boussal, en pile bandit tombé, mais continuer à bien bandit. Quoi qu'on cherche, résoudre le problème là parce que même les pannes de l'île dit, question 11-20 millions, li réellement réexister comme mon 4 bonnes âmes, 4 bonnes cartouches en dedans pays à pour la chercher. Merci avec vous-même qui t'a gardé l'étendue tout partout à travers le monde là. Sous mes sacs nouvelles, les infos, point nouvelles, votre calbas info, racine nouvelle Haïti. Et